Monsieur le professeur, cher Alain Péquer, vous êtes un des très éminents professeurs de l'École nationale des ponts et chaussées, où vous avez enseigné depuis maintenant 47 ans, particulièrement un cours marquant de dynamique des structures et des ouvrages aux élèves du département génie civil et construction, dans ce même amphithéâtre Cauchy. Et je vous remercie d'avoir accepté de prononcer ce matin cette leçon inaugurale sur l'innovation dans les grands projets de génie civil et de permettre ainsi à toute la nouvelle promotion de bénéficier de votre enseignement et de votre expérience. Et avant de vous écouter, je vais donner la parole à Arthur Lebé, qui est adjoint au président du département génie civil et construction, qui va présenter votre exceptionnelle carrière. Merci François pour l'introduction. C'est assez émouvant d'être dans cet amphi aujourd'hui, je pense pour plusieurs personnes. Alors, je dois tout d'abord excuser Bernard Vaudeville, qui est le président du département génie civil et construction, parce qu'il ne peut pas être là aujourd'hui. Et je pense qu'il aurait été vraiment heureux de pouvoir faire l'intervention que je fais en son nom. Et c'est une mission pas évidente de résumer en quelques mots la carrière d'Alain, parce qu'elle est assez enthousiasmante. Alors, j'ai envie de m'adresser à la fois à Alain, mais aussi à vous, les étudiants, parce que là, vous venez d'intégrer. Faites les leçons inaugurales, vous êtes contents, votre horizon c'est le why, je pense, et c'est un moment de grâce d'intégrer à l'école. Et bon, je pense que l'horizon dans les 6 prochains mois, etc., ça va être vous questionner sur votre avenir professionnel et comment vous allez transformer votre intégration à l'école. Et c'est un moment de questionnement assez important, alors pas tout de suite là, profitez-en. Et il y aura les choix département, etc. Et donc, je pense que l'intervention d'Alain, elle est tout à fait opportune. Je pense que François l'a choisie aussi pour ça. C'est qu'elle peut vous montrer un exemple d'une carrière riche et enthousiasmante. Et donc, ça peut être une source d'inspiration. Donc, ça vaut le coup de la résumer et de la présenter aujourd'hui. Alors, tout d'abord, Alain, tu as intégré l'École des Ponts tu es de la promotion 72. Ça fait un certain temps. Et tu as été faire un Master of Science à Berkeley. Alors, pour ceux qui savent où est situé Berkeley, moi j'y ai vécu un an, dormir au-dessus d'une faille sismique avec le risque d'avoir The Big One chaque nuit, ça peut créer des vocations et j'ai l'impression que ça a été le cas. En tout cas, tu me l'as confirmé tout à l'heure. Tu as commencé ta carrière d'ingénieur en géotechnique et dynamique. Et puis au bout de quelques années, en 1981, tu fondes un bureau d'études qui s'appelle Géodynamique et Structure. Et je pense que c'est un moment un peu fondateur, il me semble, dans ta carrière, qui est multiple. D'abord, c'est une prise de risque, c'est de l'entrepreneuriat. Créer un bureau d'études, c'est employer des gens, chercher des contrats, et ramener de l'argent pour payer les employés. Donc c'est une vraie prise de risque. C'est aussi une preuve, quand on crée un bureau d'études, ça veut dire qu'on a le bagage technique pour le faire, parce que ça engage une expertise d'ingénieur. Et en l'occurrence, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une forme d'originalité ou de pertinence par rapport à un marché. Et l'originalité du bureau d'études que tu as fondé, c'est l'expertise que tu as en dynamique rapide et non linéaire appliquée aux grands ouvrages de génie civil. Alors, c'est peut-être un peu réducteur, mais s'il fallait que je fasse une vision simplificatrice de ce que ça veut dire, vous connaissez tous l'oscillateur harmonique. C'est une équation différentielle ordinaire linéaire. Si les oscillations du pendule sont grandes, ça devient non linéaire. Vous l'avez linéarisé, c'est un sinus qu'il faut linéariser, c'est pas très dur.
Et puis, si ça, dans le cas des sujets qui intéressent Alain, si vous mettez le pendule dans du dentifrice, ça devient beaucoup plus compliqué ce qui se passe. D'accord ? Puisque ça devient non linéaire à cause des grandes amplitudes, mais aussi du fait qu'il y a une espèce de viscosité très complexe de le comportement du dentifrice. Alors c'est très réducteur, et je ne voudrais pas que ça réduise le niveau d'expertise, parce qu'imaginez cette notion étendue à des très grands ouvrages d'art. Donc maintenant, ça c'est le point de départ de ta carrière, on va dire, et aujourd'hui c'est un bureau d'études qui existe encore, qui est à la pointe de ces sujets, et qui a recruté de nombreux anciens de l'école, et qui continue de faire Florès. Alors, ta carrière, il y a trois grands volets, et je pense que c'est trois sources d'inspiration pour vous, les étudiants en première année. C'est une carrière de grand ingénieur, et l'ingénierie, c'est la science au service de la technique. C'est-à-dire vous utilisez vos connaissances scientifiques pour construire quelque chose, ou pour développer et rendre service à la société. Et ton expertise, c'est la conception parasismique des très grands ouvrages. Donc ce n'est pas juste un bête pendule à 1 degré de liberté, c'est un objet énorme. Et il faut arriver à transposer l'analogie un peu simpliste que je viens de vous faire à des très grands ouvrages comme des centrales nucléaires, l'EPR de Flamanville par exemple, certains équipements de cette centrale, des installations militaires, des très grands barrages et des ponts de très grande portée. D'accord, vous voyez la taille du pendule. Et je pense que je n'ai pas besoin de donner plus de détails, vous verrez dans l'intervention d'Alain à quel point c'est un sujet enthousiasmant et éblouissant. Alors ça, c'est une carrière d'ingénieur. En même temps, tu as poursuivi en parallèle une carrière de scientifique ou de chercheur. Et il faut que vous compreniez que ce n'est pas forcément la même attitude. Quand on est ingénieur, il faut répondre à un problème et utiliser la science pour répondre à ce problème. Quand on prend la casquette de scientifique ou de chercheur, on essaye de trouver des vérités générales qui rendront service à la forger de la connaissance et qui rendront service à la société, mais à une échelle de temps plus large. Et donc tu as pu le mener, et je pense que c'est exemplaire parce que ça permet de faire un lien entre la recherche et l'ingénierie, et ça permet de nourrir le bureau d'études en expertise. D'accord ? Et en tant que scientifique, donc, tu as collaboré avec Jean Salanvion, académicien des sciences, sur la prise en compte des effets inertiels dans le calcul de la résistance des fondations d'ouvrage. Donc, c'est la métaphore du pendule dans l'antifrice, mais étendue aux fondations des ouvrages en particulier. Alors, ça ne vous parlera pas à vous, étudiants de première année, mais Alain a écrit de nombreux ouvrages scientifiques et de nombreuses publications scientifiques et a été impliqué dans les sociétés savantes, qui sont les sociétés qui regroupent les experts sur ces sujets-là et qui discutent entre eux, parce que c'est clair que il faut être expert pour pouvoir en parler, des questions de génie parasismique. Et je dirais que ça va au-delà de juste la recherche, puisque tu as contribué de manière significative à ce qu'on appelle la réglementation. La réglementation, vous pouvez voir ça comme un pont entre l'ingénierie, enfin entre la recherche ou la science et l'ingénierie, puisqu'elle permet de donner un cadre au calcul que vous allez mener en tant qu'ingénieur. Et donc Alain fait partie des grands contributeurs de l'Eurocode 8, qui est le règlement de calcul des structures sous sollicitation sismique. Donc je dirais que ça, c'est la partie expertise de ta carrière. Et je dirais que c'est une évidence, qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde, qui ça devient une évidence de transmettre ses connaissances. Et donc, je voudrais faire éloge à tes grandes qualités de pédagogue. Donc, François l'a rappelé, tu enseignes au Pont depuis 1974, 47 ans. Alors, sachez que ce n'est pas un record. Je crois qu'il y a un professeur qui a... Enfin, je pense à Philippe Biche, qui, je crois, a un an de plus, mais voilà, il va partir bientôt, lui aussi. Et vous êtes voisins, donc vous êtes très proches, je le sais. Mais bon, c'est pas le concours du plus fort. Je pense que c'est surtout révélateur de l'implication et de l'engagement que tu as apporté à l'école sur les questions de dynamique et d'interaction seule structure. Tu as effectivement, l'a dit François, tu enseignes dans le cours de dynamique des structures et des ouvrages depuis 20 ans, et ça a donné un nouveau souffle à cet enseignement qui était un peu mineur à l'époque, et ça a repris corps énormément à l'école
grâce à toi, Alain. La preuve, c'est que ton polycopier, c'est devenu une référence en bureau d'études. Je crois qu'on attend tous un ouvrage pour formaliser la chose. Je suis aussi ici aujourd'hui pour te... il faut qu'on vous dise tout. Alain a fini sa carrière d'enseignant cette année. Et donc, c'est la fin de... Alors, je voudrais pas dire, c'est peut-être mal formulé, mais il a fini d'enseigner des cours de dynamique des structures. Et donc, c'est un moment pour nous important pour l'école, mais là, je représente le département génie civil et construction, pour te remercier alors au nom de Bernard, mais aussi de l'ensemble des membres du département, des professeurs, j'en vois certains ici, je vois Patrick Lebuhan, je vois Jean-François Sembla, je vois Luc Dormieux, je vois Karam Sable. Mais aussi d'autres qui ne sont pas là, mais qui, je pense, seraient ravis, comme Mathieu Arquier, Romain Meige, Aphrodite, que tu connais bien, avec qui tu as bien échangé, tous les membres du conseil de département. J'essaye d'être le plus exhaustif, mais c'est jamais possible. Je pense que ce qui est important, c'est de te signifier à quel point tu as apporté au département dans toutes ces nombreuses années, et même si l'enseignement se termine cette année, je pense qu'on sera toujours heureux de te compter parmi nous, en particulier au conseil de département. Donc, je tiens à te signifier ces remerciements, j'en profite juste à ce moment-là, et je vais conclure mon intervention en vous disant, chers élèves, que ça se traduit naturellement par des reconnaissances de la société que Alain a reçue. Et Alain fait partie et membre de l'Académie des technologies. Il est chevalier de la Légion d'honneur, chevalier des palmes académiques. Je pense qu'il y a une chose, une reconnaissance que même les médailles ne pourront jamais remplacer, c'est que tu as traversé le pont Rayon Antirayon dont tu vas nous parler aujourd'hui avec la flamme olympique pour son inauguration. Voilà, je voudrais conclure sur cette remarque en vous disant que profiter d'Alain aujourd'hui, c'est vraiment une source d'inspiration parce que des carrières d'ingénieurs, de scientifiques et de pédagogues aussi riches et fournies, c'est assez exceptionnel, mais je pense qu'en étant sur les bancs de cette école, eh bien, vous pouvez avoir envie, alors pas forcément sur la même chose, d'accord ? Personne n'a dit qu'il faut faire du génie civil parce qu'on est à l'école des ponts, ça fait partie des grandes disciplines de l'école, mais je trouve que c'est une inspiration sur comment vous pouvez vous projeter dans la société à la sortie de l'école. Et je pense que je peux te donner la parole. Merci encore. Bien, bonjour à tous. Merci Arthur pour cette introduction un petit peu longue et un peu trop élogieuse. Et je voudrais en profiter effectivement pour remercier la direction de l'école de m'avoir invité, Madame Mouillard, Marie-Mathieu Prouveau, le département effectivement auquel je suis très attaché, comme vous l'avez compris, depuis 52 ans maintenant. Et vous dire également que je suis un peu ému de revenir ici, parce que je ne pensais pas revenir aussi vite. Quand au mois de juin, j'ai fait le dernier amphi, exactement dans cet amphi ici. Je ne pensais pas que je reviendrais aussi vite vous parler. Et en tout cas, je suis très content de le faire. Et j'en profite aussi pour vous féliciter d'avoir intégré cette école. J'espère que vous y trouverez autant de plaisir et de motivation que ce que j'ai pu avoir. Donc, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est effectivement un ouvrage un petit peu exceptionnel. Vous montrer que, contrairement à peut-être ce que vous pensez, le génie civil, c'est pas une activité ringarde, c'est une activité où on peut aussi innover, on peut faire des choses passionnantes. Et ce que je vais vous montrer là, c'est le cas d'un ouvrage auquel j'ai eu la chance de participer, qui est le pont de Rayon-Antirayon. Arthur a un peu défloré le sujet tout à l'heure. Et je vais essayer de vous présenter ce projet, vous montrer un petit peu quels étaient les problèmes auxquels on avait à faire face et comment on a essayé de les résoudre. Et vous verrez que pour les résoudre, il a fallu faire preuve d'innovation, aussi bien dans la phase de conception de l'ouvrage que dans la phase de construction. Donc c'est ça que je voudrais essayer de mettre en avant. Alors bien entendu, pour ne pas vous surcharger de considérations trop techniques, c'est pas l'objet aujourd'hui. Je vous montrerai des photos de la construction pour vous montrer que là aussi, il y a eu beaucoup d'innovations de la part de l'entreprise. Et puis, on n'a pas toujours la chance de participer à des conceptions d'ouvrages,
surtout vis-à-vis du séisme. Heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté de la barrière on se place, on n'a pas souvent des séismes, mais celui-ci a subi un séisme, donc ça permettait de se conforter après coup sur les principes que l'on avait mis en œuvre. Donc je vous montrerai un film qui a été pris pendant un séisme qu'a subi l'ouvrage. Voilà, alors cet ouvrage, c'est un ouvrage qui est situé en Grèce, donc il est en ce point-là, donc il sert à franchir le golfe de Corinthe, que vous voyez là, au large de la ville de Patras, et pour la Grèce, donc Athènes est ici, comme vous le voyez. Pour la ville, pour la Grèce, c'est un point de passage extrêmement important, puisque c'est un des deux points de passage entre le Péloponnèse et la Grèce continentale au nord, le deuxième étant le golfe de Corinthe, l'isthme de Corinthe à côté d'Athènes. Ce que vous voyez là, c'est le réseau routier principal, et donc cette traversée, elle se faisait jusque dans les années 2000, elle se faisait à l'aide de ferries, de bacs qui traversaient. Donc la particularité de cet ouvrage, c'est la particularité parce que c'est le premier ouvrage de la sorte conçu en Grèce, c'est un ouvrage qui a été fait en concession. Donc vous apprendrez au cours de votre parcours ce qu'est un ouvrage en concession. Grosso modo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une entité qui va être chargé de financer l'ouvrage, le concevoir, le construire. Alors bien entendu, comme ça coûte de l'argent, vous allez voir le prix, et il va falloir qu'elle retrouve ses fonds, donc elle va exploiter l'ouvrage, et avec les péages, elle va essayer de se rembourser du prix de la construction. Et au bout d'une période donnée, c'était 35 ans ou 37 ans dans le cas présent, l'ouvrage est tout simplement rétrocédé à l'État grec. Donc voilà le cadre général. Alors le lieu, il est assez enchanteur, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est une photo prise côté Péloponnèse. En face, vous avez la Grèce. Et donc le pont va traverser ici, à l'endroit qui est ici, au point le plus étroit, bien entendu. Alors, quelques dates clés pour se rendre compte qu'un projet, ça prend du temps. Et encore, je ne vous fais pas tout l'historique, parce que on a commencé à travailler sur ce projet en 86. Il y a eu un premier appel d'offres, mais en fait, réellement, il y a eu un appel d'offres en 92. Le contrat n'a été signé qu'en fin 97, donc vous voyez une période très longue. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qui s'est passé pendant cette période. La construction elle-même sur le site a débuté 2 ans après, en 99, et l'ouvrage a été achevé en août 2004, 6 mois en avance sur le planning. Vous comprendrez également pourquoi à la fin de ma présentation. Le coût total, pour vous fixer l'ordre de grandeur, c'est quand même 770 millions d'euros, dont 630 uniquement de coûts de construction. Le reste étant bien entendu tous les frais annexes, les frais financiers, les frais de gestion, etc. Donc voilà l'ouvrage, fini, ou presque. Donc le Péloponnèse ici, la Grèce de l'autre côté. Donc c'est un ouvrage qui est constitué de 3 travées. C'est un pont aubané, pardon, j'aurais dû le dire. C'est un pont aubané constitué de 3 travées de 560 mètres de portée chacune, et l'ouvrage total, enfin le pont lui-même, fait 2 km 200 de traversée de là à là. Voilà une photo donc du pont une fois fini, prise du côté, là encore on est sur le Péloponnèse, donc voilà à quoi ressemble l'ouvrage. Et pour vous rendre compte un petit peu mieux, on va aller voir un petit peu les dimensions d'une pile qui est ici. Donc voilà ce que ça représente. La fondation, on y reviendra, on en parlera largement tout à l'heure, c'est une fondation de 90 mètres de diamètre. Alors ça ne vous parle peut-être pas, quand vous regardez sur un plan, vous voyez à l'échelle, vous dites c'est bien, mais 90 mètres de diamètre, c'est un stade de football. Il faut réaliser ça. Donc vous avez 3-4 piliers qui font chacun un stade de football en fondation. Ensuite, vous avez 65 mètres d'eau, ici. Puis le tirant d'air pour permettre aux bateaux de traverser, parce qu'il y a quand même des bateaux qui passent, 55 mètres, et de nouveau 110 mètres au-dessus. Donc la hauteur totale d'un pylône, alors ce n'est pas ce que vous voyez quand vous êtes sur le site, puisqu'il y en a 65 mètres sous l'eau, mais ça fait 230 mètres. On n'est pas au niveau de la tour Eiffel, mais pas loin. La tour Eiffel, c'est 300 mètres. Donc vous voyez que ce sont des ouvrages assez exceptionnels. Le poids, parce qu'il faut parler, maintenant on va parler quand même d'effort, le poids de cette pile ici, d'une pile déjaugée, hein, compte tenu de la poussée d'Archimède des 65 mètres d'eau, c'est 750 méganewtons. Et les efforts auxquels on va être confronté, pour reprendre les efforts sismiques, puisque c'est ce qui va dimensionner l'ouvrage, ce sont des efforts au niveau de la fondation, horizontaux de 600 méganewtons, et à un moment, parce que bien entendu il y a un moment lié aux forces d'inertie, etc., de 18 000 méganewtons-mètres.
tout ça pour vous fixer des ordres de grandeur. Vous voyez qu'on est dans des chiffres qui sortent totalement de l'ordinaire. Et puis, bien entendu, ça aurait pu être simple à gérer, mais le problème, c'est qu'on se trouvait dans des conditions extrêmement délicates. D'un point de vue géotechnique, quand on fait des sondages et qu'on regarde de comment est constitué le sol de fondation, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, tout ça, ce sont tous les sondages qui ont été réalisés sur le site, on s'aperçoit qu'on a affaire à des matériaux de qualité médiocre. Vous apprendrez ça dans vos cours de géotechnique à l'école. Quand on parle d'argile, de sable, de silt, ce sont des matériaux qui n'ont pas des résistances fabuleuses. Et donc, on se retrouve avec des épaisseurs extrêmement importantes, puisque le rocher, sur lequel on aurait bien aimé pouvoir s'appuyer, puisque quand on a des charges aussi importantes, on aimerait bien pouvoir se poser sur du dur, eh bien, le rocher, il était à plus de 600 mètres de profondeur. Donc, première difficulté, le terrain était de très mauvaise qualité. La deuxième très grosse difficulté, c'est l'objet un petit peu de ce que je vais vous présenter, on est dans une zone fortement sismique, peut-être une des zones les plus sismiques d'Europe. Donc vous avez ici le Péloponnèse, vous avez la Grèce continentale, et ces deux parties, du fait du mouvement des plaques tectoniques, s'écartent l'une de l'autre au rythme de à peu près 0,8 cm par an. Alors, si vous faites le calcul sur la durée de vie de l'ouvrage, qui était de 120 ans, vous voyez qu'on atteint presque 1 mètre d'écartement des deux parties Péloponnèse-continent. Alors, bien entendu, sous l'effet de cet écartement, il se crée une fosse d'effondrement, ce qu'on appelle un graben, dans lequel vous voyez tous les traits rouges, ce sont les failles qui sont créées par cet effondrement. Et ces failles, quand elles vont jouer, elles sont susceptibles de générer des séismes. Et en particulier ici, vous voyez, ça c'est la localisation du pont, la faille qui est ici, qui est la faille de Psato-Pyrgos, si je me souviens bien, mais Aphrodite me corrige si c'est pas bon, était située à moins de 8 km du site. Pour mémoire, vous avez la ville d'Aiguillon qui est ici, si vous avez vous intéressez un petit peu au séisme, en 1995, il y a eu un séisme très important à Aiguillon qui est située à moins de 30 km du site. D'accord ? Donc tout ça fait que lorsque l'on regarde les conditions pour lesquelles on doit dimensionner cet ouvrage, on se retrouve avec, alors ça ne vous parle peut-être pas, mais vous apprendrez ce que veulent dire ces chiffres, un séisme de magnitude 7, c'est-à-dire une énergie libérée qui est très très importante. En France, on n'entend pas parler de séisme de magnitude 7. Une accélération au niveau du sol de 0,5G, donc quelque chose de fort, très très fort également. Et cet événement, il a une probabilité de se produire de 0,05% par an. Ou pendant la durée de vie de l'ouvrage, si on raisonne sur les 120 ans, c'est 5% de chance d'avoir un événement de cette amplitude. Enfin, pas de l'avoir, parce que ça ne veut pas dire. Il y a 5% de chance que cet événement soit dépassé pendant la durée de vie de l'ouvrage. Voilà. Donc ça, c'était la condition majeure de dimensionnement de l'ouvrage, avec petite cerise sur le gâteau, bien entendu, toutes ces failles d'effondrement vont créer des mouvements aussi, des mouvements importants. Et les mouvements qui devaient être pris en compte, c'était un déplacement possible de 2 mètres, soit en vertical, soit en horizontal, entre n'importe quelle fondation. C'est-à-dire qu'il fallait que l'ouvrage soit capable de s'accommoder de 2 mètres de déplacement vertical ici, 2 mètres de déplacement horizontal ailleurs. D'accord ? Donc ça, c'était toutes les conditions auxquelles il fallait faire face. Donc si j'essaye de résumer les défis, vraiment, parce que c'était des défis, c'est pas de rocher à moins de 600 mètres de profondeur, une énorme profondeur d'eau, 65 mètres. Alors vous me direz, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais au niveau constructibilité d'un ouvrage, ça devient compliqué. Et puis, des objectifs qui étaient fixés par l'État grec, qui étaient relativement sévères, puisque pour ce séisme qui avait une probabilité d'être dépassé 5% du temps en 120 ans, il fallait que l'ouvrage subisse des dommages, c'était accepté, mais que ces dommages soient acceptables et réparables. C'est-à-dire qu'on voulait pouvoir réutiliser l'ouvrage après séisme. Et les spécifications initiales qui étaient données, c'était au niveau des fondations, pas de glissement des fondations et pas de soulèvement des fondations. On verra tout à l'heure que ces spécifications étaient totalement irréalisables et que ça a amené à les changer pour obtenir quelque chose de nouveau. Constat de tout ça, c'est que lorsqu'on regardait le projet, il n'y avait pas de solution avec les techniques d'ingénierie que l'on connaissait à l'époque. Il n'y avait pas de solution possible pour construire l'ouvrage. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Alors,
Je vais me focaliser un petit peu sur les fondations, parce que d'abord c'est la partie sur laquelle j'ai travaillé, et parce que c'est là où effectivement il y a eu la plus grande innovation sur cet ouvrage. Alors, dans les solutions de fondation, vous apprendrez ça également dans vos cours de jeux techniques à l'école, on peut envisager de les faire pour fonder sur pieux, mais dans le cas présent, comme je vous l'ai dit, les pieux, on aime bien les appuyer sur quelque chose de dur, sur du rocher. Pas question de faire des pieux de 600 mètres de profondeur. On aurait pu envisager de faire des caissons, des gros caissons en béton armé qui auraient supporté la fondation. Bon, pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous exposer, ça a été rejeté également. Pourquoi pas enlever le sol de mauvaise qualité et le remplacer par du sol de meilleure qualité. Dans le cas présent, ça revenait à draguer tout l'isthme, tout le canal de Corinthe, donc ce n'était pas vraiment une solution, et puis il y avait des problèmes après d'environnement. Et donc la conclusion, c'était que les seules possibilités, c'était le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, à savoir poser directement la pile en fond de mer, ce qu'on appelle une fondation superficielle. Alors, ça a beaucoup d'avantages, cette solution, c'est que premièrement, c'est facile à construire, vous le verrez tout à l'heure. C'est relativement rapide par rapport aux autres solutions, et le coût reste minimal par rapport également aux autres solutions. Maintenant, la question qu'il faut se poser, quel est le comportement de ce type de fondation lorsqu'on est dans des zones sismiques, comme celles auxquelles on est confronté? Alors on a, là encore, et bon, ça c'est une des grandes constantes, si vous choisissez un jour effectivement de faire de la conception parasismique, la première chose à faire, c'est de regarder ce qui se passe après un séisme. Il faut observer, regarder et en tirer des conséquences. Donc là, on a la chance d'avoir des observations pendant un certain nombre de séismes. Alors j'en ai pris deux, Mexico en 85 et Loma Prieta, enfin celui de San Francisco. Ce n'est pas le Big One auquel faisait allusion Arthur, mais c'était un séisme qui a eu lieu dans cette région-là également, en 89, qui est souvent appelé séisme de San Francisco à tort. Hein. Et puis, donc, je vais vous montrer des observations, et puis je ne parlerai pas, mais toutes ces observations, elles sont confirmées également par des essais sur des modèles réduits, alors de différents types d'essais, sur des tables vibrantes. Ça, ce sont tous les organismes qui ont fait des essais de ce type. Des essais en centrifugeuse, aux États-Unis, en France, et puis des essais également pseudo-dynamiques. Bon, j'en parlerai pas. Donc, regardons un petit peu ce qui se passe pendant un séisme avec une fondation superficielle. Ici, c'est une photo que j'ai prise en 89, donc après le séisme de Loma Prieta, dans une station d'arrivée de gaz. Donc, vous voyez les tuyauteries qui sont là, et vous voyez que ces tuyauteries étaient portées sur des berceaux, eux-mêmes fondés sur des plots en béton posés sur un remblai de mauvaise qualité, un petit peu du style de ce que l'on a rencontré. Des matériaux que l'on rencontre sous l'ouvrage. Et vous voyez que bah, pendant le séisme, en fait, ces plots ont passé, se sont enfoncés dans le sol, à tel point que les tuyauteries, en certains points, n'étaient plus portées, qu'il a fallu mettre en catastrophe des cales de bois pour rattraper le décalage. Donc ça, c'est, vous imaginez que ce n'est pas très satisfaisant pour un ouvrage aussi important que le pont. Peut-être plus grave encore, ça c'est une photo que j'ai prise 15 jours après le séisme de Mexico, en 85, donc là vous avez un bâtiment de 3 étages qui est fondé sur un énorme radier général, sur des matériaux de très mauvaise qualité. Mexico, c'est pas forcément des sols de très bonne qualité. Et si vous regardez latéralement le bâtiment, vous voyez qu'il a un petit air penché. D'accord ? Bon, alors ceci étant, ceux qui connaissent Mexico savent que tous les ouvrages à Mexico ont un petit air penché parce que les tassements se mesurent en mètres et donc il y a forcément des mouvements importants. Maintenant, si vous allez voir sur le côté de l'immeuble ici, alors certains d'entre vous vont suivre la filière architecture et j'aime bien les architectes, mais je ne pense pas qu'ils conçoivent des bâtiments pour qu'on rentre à quatre pattes dedans. Et en fait, le résultat du séisme, c'est effectivement ce que je vais appeler une rupture de la fondation, perte de capacité portante de la fondation qui a fait que l'ouvrage s'est enfoncé et qu'on s'est retrouvé dans cette situation ici. Donc, voilà le constat. Qu'est-ce qu'on doit faire? Encore une fois, on n'avait rien de connu qui permettait de résoudre ces problèmes. Et c'est là, il faut se rappeler quand même, j'ai cité ici Pasteur, donc c'était pas un ingénieur, hein, comme vous le savez, mais c'est vraiment le type de problématiques auxquelles vous serez confrontés dans votre vie professionnelle. Vous allez apprendre des tas de choses à l'école, et puis tout d'un coup, vous allez vous retrouver dans des situations où tout ce que vous avez appris ne vous sert pas. Si, ça va vous servir, heureusement, mais ne sera pas directement applicable. Il va falloir trouver quelque chose de nouveau. Comme l'a dit Pasteur, vous devez résoudre des questions, et ces questions, vous devez les résoudre même
si vous n'avez pas tous les éléments techniques, toute la science voulue à votre portée. Ce qui veut dire, en un mot, ça veut dire innover. Alors, innover, c'est bien, mais faut pas faire n'importe quoi. Et donc, je crois que j'ai sauté, voilà, j'ai sauté un transparent. Et j'ai relevé ici un certain nombre de citations qui me semblent s'appliquer parfaitement bien à notre situation dans laquelle on doit innover et faire des choses nouvelles. D'abord, il faut réaliser, il faut rester extrêmement modeste, on connaît très peu de choses. Très peu de choses par rapport à tout ce qu'on ignore. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Laplace. Il ne faut pas non plus vouloir innover en compliquant outre mesure. Si on veut innover, il faut comprendre ce qu'on fait, il faut être capable de le maîtriser. Donc ça veut dire qu'il faut tendre vers de la simplicité. Là encore, ce n'est pas de moi, c'est Léonard de Vinci. Autre chose que vous allez apprendre, et ça, ça va être un changement d'esprit pour vous, vous sortez de classe préparatoire, vous avez appris que 2 plus 2, c'est 4, vous avez appris que, à résoudre des intégrales, des équations, etc. Lorsque vous allez aborder la vie réelle, il faut imaginer que tout ce que vous faites est entaché d'incertitude. Vous ne connaissez pas le module d'un béton, vous ne connaissez pas la résistance du sol, il y a des incertitudes. Alors, ce n'est pas agréable à gérer, effectivement, comme l'a dit Voltaire. C'est le doute, parce qu'il faut douter, c'est un état désagréable, mais il ne faut surtout pas avoir des certitudes. La certitude, c'est stupide, ça n'existe pas. Et puis, dernier point qui est important et qui a été une des grandes clés de réussite de cet ouvrage, c'est que l'innovation, elle ne peut pas se faire tout seul. C'est fini. Le temps de l'homme universel qui sait tout et qui est capable de tout maîtriser n'existe plus. Et donc, tout ce travail-là, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'échange entre toutes les parties prenantes. Et ça, vous le verrez, c'est aussi une des clés du succès. Alors, si on essaye de décliner ça au niveau des fondations, l'idée, c'est de partir, en fait, sur des choses existantes. On ne va pas faire un grand saut, on se dit, OK, on veut faire des fondations superficielles, donc qu'est-ce qui existe? Bon, alors, il y a des choses qui existent, Arthur l'a cité tout à l'heure, ce que j'avais pu faire avec Jean Saint-Lançon sur la capacité portante des fondations superficielles. Également, ce qui a pu être fait avec Patrick Debuhan, je ne sais pas où il est, mais enfin, que vous aurez comme professeur à l'école également, sur les matériaux cloués, quand vous regardez les talus, vous voyez qu'il y a des talus qui sont cloués, et donc ce qui accroît leur stabilité, donc l'idée, on va la reprendre aussi là, et puis également, regardez autour de vous ce qui se fait dans d'autres disciplines. Alors là, ce n'est pas des disciplines complètement différentes, c'était la partie, je dirais, plus ingénieur de structure que géotechnicien, mais il était important de regarder ce que font ces gens-là et de voir s'il y a moyen de tirer les idées pour les appliquer à notre problème. Et puis, dernier point, il faut formuler avec soin, dès le départ, et ça, c'est jamais du temps perdu, réfléchir et formuler avec soin ce que vous attendez de votre ouvrage. Ne pas partir dans des idées fumeuses, des calculs compliqués, sans savoir exactement ce que vous cherchez, ce que vous attendez de votre ouvrage. C'est ce que j'ai écrit là, formuler avec soin les objectifs à atteindre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les premiers objectifs, c'était bien sûr l'ouvrage réparable, mais pas de glissement de fondation, pas de soulèvement. Très vite, on s'est rendu compte que c'était impossible à satisfaire. Donc, les fameuses 5 années entre le début de l'appel d'offres et la signature du contrat se sont passées à faire ce travail. Qu'est-ce qu'on pouvait accepter de l'ouvrage et convaincre, bien sûr, le client, l'État grec, puisque c'était encore l'État grec à ce moment-là, convaincre l'État grec que c'était quand même quelque chose d'acceptable. Donc on a transigé, entre guillemets, vers le fait qu'on pouvait tolérer des glissements des fondations. Après tout, elles vont subir des déplacements de l'ordre du mètre pendant leur durée de vie. Donc qu'est-ce que c'est que quelques centimètres ou dizaines de centimètres supplémentaires? Est-ce que c'est acceptable? La réponse était, ben, on se considère que c'est acceptable. En revanche, bien entendu, on ne voulait pas de rotation importante, parce que sur un ouvrage qui fait 230 mètres de haut, vous imaginez bien que n'importe quelle inclinaison de l'ouvrage, ça veut dire excentrement du poids propre, pardon, et donc des efforts additionnels, c'est encore des choses que vous apprendrez ici. Donc voilà les critères de performance que l'on s'était donné. Alors je reviens sur ceci.
que l'on a emprunté effectivement aux ingénieurs de structure, qui est ce que l'on appelle le dimensionnement en capacité. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque c'est un moyen d'augmenter la fiabilité de l'ouvrage. L'idée, c'est la suivante. Hein. Elle est issue de l'école néo-zélandaise de génie parasismique, avec Tom Pollet, que j'ai cité là, Nigel Priestley, que l'on va retrouver tout à l'heure, Bob Park. En fait, l'idée est la suivante. Prenez une chaîne. Imaginez que cette chaîne, elle est construite avec de l'acier normal et que vous tirez sur cette chaîne. Si elle n'est pas faite avec un matériau soigné, eh bien, à un moment donné, elle va casser n'importe où. Et c'est bien le problème, c'est n'importe où. C'est-à-dire un endroit que vous ne maîtrisez pas. Et elle va casser et ça va se créer par une perte de résistance brutale. L'idée du dimensionnement en capacité, c'est le suivant. C'est de se dire, ben, je vais choisir un endroit dans ma chaîne où je vais mettre un matériau noble. Un matériau noble, c'est un matériau qui, au lieu de se rompre brutalement, comme vous le feriez, alors c'est pas du verre, hein, mais si vous aviez du verre, dès que vous atteignez une certaine limite, le verre, il se casse. L'idée de ce maillon ductile, qui est ici, c'est d'avoir un matériau qui est susceptible de se déformer, sans perdre sa résistance rapidement. Donc, on incorpore, quelque part dans la chaîne, là où on a envie que ce soit, un maillon ductile qui va avoir ce comportement-là, et puis, bien entendu, ce que l'on veut, c'est que la déformation se produise dans ce maillon-là et pas ici. Donc on va surdimensionner les autres maillons, c'est-à-dire leur donner une résistance supérieure à la résistance qui est ici. Donc le dimensionnement en capacité, c'est cette double idée. Mettre quelque part dans ma chaîne un endroit où je vais accepter des déformations, un endroit où je vais pouvoir les contrôler, et puis augmenter la résistance du reste de façon à être certain que la déformation se produira bien où je la veux. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on a un comportement ductile de l'ensemble. Alors si je regarde sur une structure, parce que la chaîne, ça paraît peut-être un petit peu simpliste, si je prends un portique par exemple, que ce portique, vous le soumettez à un séisme, c'est-à-dire une accélération fonction du temps, vous apprendrez à calculer les efforts là-dedans, vous apercevrez que les moments les plus importants sont à l'encastrement en pied. Eh bien l'idée, c'est de se dire... L'encastrement en pied, c'est celui-là où je vais mettre le maillon ductile, puisque les efforts ils vont venir naturellement là. Donc je vais concevoir cet endroit-là de façon que je puisse absorber des déformations importantes. Et puis, dans le reste de la structure, je vais mettre un tout petit peu plus de résistance de façon à la protéger. Donc voilà l'idée en fait du dimensionnement en capacité. Et c'est une idée extrêmement intéressante parce que ça permet de gérer ces fameuses incertitudes dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, le séisme, il a une probabilité d'être dépassé pendant la durée de vie de l'ouvrage. On ne sait pas, on n'a pas de certitude dessus. Donc c'est un moyen de se protéger, de gérer ce genre d'incertitude. Alors si je transpose ça maintenant au niveau de la fondation. Donc j'ai représenté juste la semelle ici. Donc elle est soumise à des efforts, son poids bien sûr, et puis des efforts qui sont liés au séisme, un effort horizontal et un moment de renversement. On a vu tout à l'heure sur l'exemple de Mexico, les travaux théoriques le montrent aussi, que dans ce cas-là, on va développer une courbe de rupture dans le terrain de cette forme-là. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe avec cette courbe de rupture ? Eh bien, la fondation, non seulement elle va glisser peut-être, mais elle va aussi pivoter et se retrouver dans une situation avec une rotation comme celle que j'ai dessinée là, ce qui était inacceptable, compte tenu de la hauteur du pylône. Donc l'idée, et c'est là où on emprunte aux autres disciplines, c'est de se dire, ben finalement, si je renforçais le sol, on verra comment tout à l'heure, de façon que la courbe de rupture, ben, elle ne puisse pas passer là. Alors bien sûr, vous allez me dire, elle peut passer plus bas. Oui, vous avez raison. Donc je vais renforcer le sol pour éviter qu'elle passe là, mais ce n'est pas tout. Je vais interposer mon fameux maillon ductile, le gravier. Une couche de gravier qui va être ici, et tout le travail de la conception de ça, ça va être effectivement de choisir le renforcement et les caractéristiques de cette couche de gravier, de façon que la rupture de la fondation, si rupture il doit y avoir, se produise par un glissement, ici, et non pas par une rupture dans le terrain. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui a été emprunté hein, aux travaux sur les talus cloutés, par exemple, c'est la même idée. Alors, à partir de là, ça va être la dernière slide technique un petit peu. Comment va-t-on dérouler ça? Parce que ça, c'est l'idée. Maintenant, il faut la justifier. Il va falloir prouver à votre client. Alors, le client, maintenant, ce n'est plus l'État grec. Hein. Le client, c'est la société qui est en charge de l'ouvrage. C'est le groupe Vinci, pour ne pas le citer maintenant. Bien entendu, dans ce processus, il y a des contrôleurs techniques. Et là, on avait la chance d'avoir des contrôleurs techniques de très haut niveau.
hein, puisque tout à l'heure, je vous ai cité, pour le dimensionnement de capacité, Nigel Priestley, il faisait partie des contrôleurs techniques. On avait, du côté géotechnique, Ralph Peck. Alors, vous apprendrez que Ralph Peck, c'est un nom qui va vous revenir au cours de vos cours de géotechnique, c'est un peu le fondateur avec Terzaghi de la mécanique des sols, de la géotechnique. Il avait 90 ans hein, à l'époque, quand même. Et donc, la première question, quand j'ai présenté ce concept-là au contrôleur technique, la première question de Ralph Peck, ça a été, est-ce qu'il existe des précédents de ce type de fondation? Est-ce que ça a déjà été fait? Alors là, j'ai été un petit peu impertinent, j'étais beaucoup plus jeune que lui, un peu impertinent, j'ai répondu qu'avec des raisonnements comme ça, la tour Eiffel serait toujours dans les cartons et le Concorde n'aurait jamais volé. Bon, il m'en a jamais voulu, malgré mon impertinence, et on est resté en très bons termes jusqu'à cette disparition, mais comme c'était quelqu'un d'intelligent, il a demandé qu'à être convaincu. Et donc, pour convaincre nos contrôleurs techniques, là, l'idée, c'est de nouveau de se dire, restons simples. Restons simples, c'est-à-dire qu'on a fait, on n'est pas allé directement avec les moyens les plus puissants dont on disposait pour faire des études. Hein, les moyens les plus puissants, bah, c'est par exemple les modèles éléments finis en non linéaire. Il n'était pas question d'aller directement à ça. Donc, on a commencé par développer des nouveaux outils basés sur le concept de calcul à la rupture qu'a développé Jean Salençon et puis tous les gens qui ont travaillé avec lui, qui ont l'avantage d'être simples, très performants et permettent de faire effectivement toutes les études de sensibilité dont on a besoin pour gérer nos incertitudes. Après, et ça c'est aussi une grande importance, il faut réaliser que tous les modèles théoriques que vous faites, vous avez beau être très très fort, être les plus intelligents, vous allez bâtir des modèles, mais il faut réaliser qu'un modèle, ça n'est qu'un modèle. Ça n'est jamais la réalité physique. Et donc, pour se confronter à la réalité physique, eh bien, il a fallu faire des essais avec le matériau réel, en modèle réduit, parce qu'il n'était pas question d'aller construire une pile et de l'essayer sur place, en modèle réduit, c'est l'objet de la deuxième étape, qui sont les validations sur des essais en centrifugeuse dans le cas présent. Et ça n'est qu'après, quand tout le concept était développé, prédimensionné, que l'on est passé à des systèmes beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus compliqués, avec des calculs d'éléments finis non linéaires. Bon, le dernier aspect, j'en parlerai pas parce que c'est un peu technique, c'est ce qui permettait de gérer le séisme également. Donc voilà le processus. Donc on est parti de ce que l'on avait fait avec Jean Salençon donc en 90-91, là, après le séisme de Mexico. En fait, ce qui avait motivé nos travaux, c'était les observations du séisme de Mexico. Donc ce qui nous permet de définir, si vous voulez, une espèce de surface dans l'espace. L'espace est constitué des chargements de la structure, c'est-à-dire le moment, l'effort tranchant, l'effort normal, l'effort horizontal, si vous voulez, l'effort vertical et le moment. Et donc, ce que vous dit le résultat, c'est que si vos efforts sont situés à l'intérieur de cette surface, vous êtes stable. Si vous êtes à l'extérieur, vous êtes instable. Voilà, très schématiquement. Donc, on est parti de là. Ce qui, entre parenthèses, comme l'a dit Arthur, c'est cette formulation, maintenant, est reprise dans l'Euroconduit, le code de construction parasismique européen. Et puis, on l'a adapté en s'inspirant de ce qu'avait fait Patrick de Buant avec Jean Salençon sur les talus cloués. Donc, on a adapté nos schémas avec le clouage qui est représenté ici du sol de fondation. Alors là, je voulais dire aussi, et comme Luc est là, Luc et Patrick sont là, je voulais dire, bon, effectivement, j'ai beaucoup travaillé avec Jean Salençon là-dessus, mais on a eu aussi l'occasion largement, pendant le développement de ce projet, d'échanger avec Luc et Patrick de Buant. L'idée étant, encore une fois, que plus on est nombreux, plus on va avancer loin. Donc ça nous a permis, alors ce que je vais faire, comme j'aime pas trop dessiner, j'ai toujours été très mauvais en dessin, je vais faire un dessin à deux dimensions, c'est une coupe de la surface. En gros, si vous voulez, cette surface-là, je vais la couper ici par une valeur de l'effort vertical constant, donc je vais faire une section de cette surface ici, qui est ici. Ça, c'est ce que l'on obtiendrait, donc on a ici l'effort horizontal, ici le moment, c'est ce que l'on obtiendrait s'il n'y avait pas d'inclusion. Donc, vous voyez que par rapport aux efforts que j'ai cités tout à l'heure, on était à 600 méganewtons d'effort horizontal, 18 000 méganewtons mètres de moment. Vous voyez qu'on est complètement en dehors de la plaque. Ne rien faire, c'était pas possible. Il se trouve que les études montrent que si on met ces inclusions dans le sol, eh bien, la surface, dont la section est ici, passe ici.
Et donc là, vous voyez que nos efforts, cette fois, sont effectivement à l'intérieur de la surface. C'est-à-dire que le renforcement permet effectivement d'augmenter la résistance du sol de fondation. Maintenant, ce n'est pas tout. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a interposé cette fameuse couche de gravier. Quel est l'effet de cette couche de gravier? C'est tout simplement de tronquer la surface ici. Et toute l'idée de la conception, c'est de dire on va faire en sorte que, bien entendu, notre point soit à l'intérieur de la surface, mais que si, pour une raison X ou Y, par exemple parce que le séisme est un tout petit peu plus fort que ce que l'on avait prévu, ou parce que les caractéristiques mécaniques sont un petit peu moins bonnes que ce qu'on avait prévu, on vient à toucher la surface, eh bien, on atteigne la surface le long de ce plan-là qui va correspondre à une rupture par glissement. Donc toute l'idée, elle est là, en fait. Et les outils de calcul à la rupture nous ont permis d'aboutir très vite à une solution qui nous paraissait fiable, qui est celle-ci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces inclusions, qui sont ici, ce qu'on appelle des inclusions, ce sont en fait des tubes métalliques de 2 mètres de diamètre, 20 mm d'épaisseur, avec des longueurs de 25 à 30 mètres, ça dépendait un petit peu de la nature du terrain, au droit de la fondation, et espacés tous les 7 mètres. Donc vous imaginez, ça fait 200 sous chaque fondation. D'accord? Et puis, bien entendu, ne pas oublier l'ingrédient principal qui est la rotule plastique, c'est la couche de gravier. C'est une couche de gravier de 3 mètres d'épaisseur. Donc vous avez les inclusions ici, vous avez cette couche de gravier de 3 mètres d'épaisseur, et vous avez votre terrain de football au-dessus, qui est la fondation superficielle. Alors, voilà en coupe ce que ça donne. Alors, vous verrez aussi dans vos cours de géotechnique que vous entendrez parler de fondations sur pieux. J'attire votre attention ici sur le fait que ce ne sont pas des pieux, parce que des pieux sont connectés à la fondation, c'est-à-dire que les tubes sont scellés, si vous voulez, dans la fondation. Là, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on veut justement que la fondation puisse éventuellement glisser sur la couche de gravier. D'accord? Alors, là encore, 2 mètres de diamètre, 25 mètres de long, bon, très bien, sur un dessin, c'est joli. Quand vous allez sur le chantier, ben voilà ce que vous avez. Voilà, ça vous donne la taille de ces inclusions, d'accord. La personne que vous voulez avoir, c'est un très bon ami, c'est Ricardo Dobry, donc qui faisait partie de l'équipe du contrôleur technique. Donc vous voyez ce que ça représente sur un chantier, des inclusions de 2 mètres de diamètre. Et donc, en final, notre conception permettait effectivement d'avoir cette notion de dimensionnement en capacité avec la couche de gravier qui joue le rôle de mon maillon ductile, là où on veut que les déformations se concentrent, donc dans le cas présent c'est glissement, et puis eh bien, la surrésistance pour protéger le reste, ce sont les inclusions posées dans le sol. On renforce le sol au-delà d'un certain seuil de façon que la rupture se fasse le long de la couche de gravier. Et l'effet combiné, eh bien, c'est que nécessairement, et c'est très important, en fait, on va limiter les efforts dans la structure, parce que la structure elle ne peut pas transmettre plus. Elle ne peut pas recevoir, pardon, plus que ce qui est fourni par le frottement, c'est-à-dire l'effort normal multiplié par un coefficient de frottement. Vous n'avez pas d'effort supérieur à ça, donc vous contrôlez parfaitement les efforts transmis à la superstructure. Et puis, extrêmement important, on maîtrise le mode de rupture potentiel du système. C'est un glissement, ce n'est pas une rotation. Alors à partir de là, comme je vous l'ai dit, ça ce sont les modèles théoriques. On a fait des validations en modèle réduit. Encore une fois, il n'était pas question d'essayer une fondation de ce type. Donc pour ça, on utilise un outil dont vous entendrez parler, qui est une centrifugeuse. La centrifugeuse, l'avantage, c'est que ça permet de travailler sur quelque chose de plus petite dimension. Alors, c'est quand même pas tout petit, puisque l'échantillon qui est à l'intérieur de cette nacelle pèse quand même 2 tonnes. La centrifugeuse, elle tourne à 100 G. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est celle que vous visiterez pour certains d'entre vous à... Alors, pardon, l'Institut Gustave Eiffel, maintenant j'allais dire Star, dans ce temps-là c'était le LCPC, bon bref, maintenant c'est l'Institut Gustave Eiffel à Nantes. Donc vous avez cette centrifugeuse qui peut emmener un échantillon de 2 tonnes et le faire tourner à 100 G. L'intérêt de le faire tourner à 100 G, c'est qu'on rétablit, en fait, si vous voulez, il y a des échelles de similitude, et en faisant tourner à 100 G, eh bien, ce qui était 1 cm dans le modèle devient 1 mètre, d'accord ? Donc ça permet de travailler sur des modèles réduits. Alors bien entendu, pour que ça ait une valeur quelconque, le matériau qui est là-dedans, que vous allez voir ici, voilà, ce matériau-là, c'est du matériau qui a été pris sur le site. On a pris le matériau réel du site, on l'a ramené, on l'a reconsolidé en laboratoire, on a mis les inclusions que vous voyez là. Alors j'ai pas amené, j'ai oublié d'amener, mais je vous aurais monté une inclusion en modèle réduit, vous auriez vu, c'est un tout petit tube métallique de quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur. Ils ont été enfoncés à la main, un par un, comme ça.
Après, donc voilà la taille de l'échantillon, c'est 90 cm de diamètre, hein, c'est l'échantillon total. C'était une trentaine ou quarantaine de centimètres de profondeur, si je me souviens bien. À l'époque, on a fait ces essais. Alors depuis, les techniques ont évolué, là aussi. Maintenant, on est capable de faire des vrais séismes en centrifugeuse. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc on a sollicité, avec des vérins, voilà, qui permettaient de simuler les efforts appliqués à la fondation, on a sollicité notre échantillon, pendant qu'il tournait à 100 G, de façon à voir comment ça allait se comporter. Et voilà le résultat. Ce qui représente... Alors, vous me direz, il n'y a que 4 points. Alors, effectivement, les gens vont dire, par 4 points, on arrive toujours à faire passer une droite. Mais il faut voir qu'un essai de ce type, ça représente au moins un mois de travail. C'est-à-dire qu'il fallait réaliser l'échantillon, faire l'essai, lui-même dure une journée. Mais c'est un mois de travail, c'est un coût qui est non négligeable. Je ne donnerai pas le coût, mais c'est non négligeable. Donc là, il y a eu 4 essais, c'était les 4 essais finaux. Il y en a eu d'autres préliminaires avant. Mais ce que vous voyez ici, ça, c'est en abscisse la charge de rupture que l'on a mesurée. En ordonnée, c'est la charge de rupture que l'on avait estimée a priori avec les résultats du calcul à la rupture que je vous ai présenté. D'accord ? Eh bien, vous voyez que là, on est plutôt bien, puisque si tout était parfait, tout devrait s'aligner à cette droite à 45 degrés, on est autour avec une petite dispersion de quelques pourcents, dizaines de pourcents, mais qui est largement satisfaisant à notre avis. D'accord ? Et voilà, donc c'est très riche ces essais-là, parce que ça nous permet effectivement de vérifier qu'effectivement, si vous avez un peu d'imagination, vous voyez la courbe de rupture qui s'est développée dans le système ici et qui était parfaitement conforme aux prédictions. Et puis, comme j'ai dit, une fois qu'on en était là, donc on commençait à progresser, on avait des outils qui nous paraissaient fiables, on les avait validés sur des essais, donc on est passé à la dernière phase, qui sont les calculs très sophistiqués, éléments finis, tridimensionnels. Et on a comparé, là encore, ce que donnait le calcul à la rupture. Donc ce sont les courbes qui sont là, c'est toujours la section de la surface de tout à l'heure, donc en blanc sans inclusion, en jaune avec inclusion plus la couche de gravier. Et chaque point que vous voyez là, ce sont des analyses tridimensionnelles éléments finis. Et vous voyez que là encore, eh bien, on a, bon, ici, c'est glissement, donc c'est normal qu'on trouve la même chose, mais vous voyez qu'ici, on a des écarts, certes, mais d'une dizaine, vingtaine de pourcents, c'est-à-dire des choses tout à fait acceptables à l'échelle des problèmes auxquels on est confronté. Donc, en finale, nos contrôleurs techniques, est-ce que ça a déjà existé? Non, ça n'a pas existé, mais c'est jouable, et on a pu montrer que c'était jouable grâce à des analyses de ce type-là, gradué, du plus simple au plus compliqué, validé par des essais sur du matériau réel. Donc voilà, juste c'est pour la figure, voilà ce qu'on a calculé en éléments finis. Donc vous retrouvez effectivement les courbes de rupture que l'on avait prédites par le calcul à la rupture ou confirmées par les essais en centrifugeuse. La couche de gravier a fait l'objet aussi de tas d'analyses, et Luc me rappelait tout à l'heure que ça nous avait donné l'occasion de travailler ensemble également, parce que cette couche de gravier, on voulait également qu'elle dissipe très rapidement les pressions interstitielles, donc ça nous avait amené, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous suivrez les cours de Luc, il vous dira ça, et on a dimensionné cette couche de gravier, et on l'a essayé également en vraie grandeur. Donc ici, ce que vous avez, c'est un bloc de béton, du gravier, on a essayé plusieurs natures de gravier, et on poussait sur ce bloc de béton de façon à mesurer le coefficient de frottement. Et ce coefficient de frottement nous a amené à choisir un matériau particulier. Il ne fallait pas qu'il soit trop bas, parce que s'il est très bas, c'est très bien. Les efforts dans la superstructure sont faibles, mais la structure se déplace beaucoup. En revanche, s'il est trop important, ben vous ne jouez pas votre rôle de couche fusible. Donc, on a finalement choisi un gravier qui nous donnait un angle de frottement, un coefficient de frottement de 28 degrés, 30 degrés, extrêmement stable. Et ça, ça a été possible uniquement, pas sur le papier, mais par des essais. Dernier point, et puis après, on passera à des images un peu plus réjouissantes. Les fameux mouvements tectoniques. Comment s'est-on accommodé de ces 2 mètres de déplacement possible entre les fondations? Alors, ce que je vous montre là, et c'est une grande particularité de cet ouvrage. Donc vous avez le pylône qui est là. Ce que vous avez là, c'est le tablier, mais pour l'instant, il n'a pas le revêtement sur lequel vous pourrez circuler. Mais vous avez ce tablier qui est suspendu par les haubans. Et si vous regardez bien, vous voyez qu'effectivement, il n'y a aucune connexion entre les pylônes et le tablier. Le tablier est entièrement suspendu par les haubans sur 2 km 200. Vous avez une énorme balançoire de 2 km 2 de long. OK ?
Alors, bien entendu, voilà, ça c'est vu de dessous. Hein, on est en tête de pile sous le tablier. Alors, bien entendu, le séisme c'est une chose, mais il y a la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, c'est le vent. Il y a quand même beaucoup de vent dans cette zone. C'est le trafic routier. Tout ça fait bouger le tablier. Il n'était pas question d'accepter que le tablier, sous l'effet de ces actions qui se produisent de façon récurrente, vienne heurter les pylônes. Donc, pour ça, l'idée qui a été mise en œuvre ici par les gens des conceptions de structure, c'est de dire, en fait, on va bloquer le tablier, ici, avec un organe très rigide, ce qu'on appelle un buton. Et ce buton, on va le dimensionner de façon qu'il résiste à tous les efforts courants, le vent, le trafic, etc. Donc, évite les mouvements du tablier. Et en revanche, en cas de séisme, il casse. Il casse, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il va libérer le tablier et les efforts transmis aux pylônes vont être bien inférieurs. Mais bien entendu, il ne faut pas qu'ils viennent heurter le pylône. Donc il y a eu des énormes amortisseurs. Vous voyez ici, il y a 4 amortisseurs par fondation qui ont été mis ici. Alors, je ne vous parle pas des caractéristiques techniques. Je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, que si tous les amortisseurs cassaient en même temps, c'est-à-dire les 16, ça produirait suffisamment d'énergie pour alimenter en électricité la ville de Patras. Bon, je ne sais pas si la légende est vraie, mais c'est ce qu'on m'a dit. Tout ça pour vous dire que ce sont des amortisseurs qui ont été développés spécialement pour cet ouvrage. Voilà, donc vu de dessous, alors cette fois là je suis en tête, je suis à 55 mètres au-dessus de l'eau, je suis en tête de pile, donc ce que vous voyez ici, ce sont les amortisseurs, on va les revoir tout à l'heure, ici le quatrième est dans mon dos, et ce que vous avez ici c'est ce fameux buton qui est là pour jouer le rôle de fusible à un moment donné. Alors bien sûr, un tablier, une balançoire de 2,2 km de longueur, ça se déplace pendant un séisme. Plusieurs mètres, 2 mètres, on avait calculé. Et bien entendu, ça conduit à faire des joints de chaussée également sur mesure. C'est du sur mesure. Si vous vous promenez sur le périphérique, vous ne verrez jamais des joints de chaussée comme ça. Ça a été fait complètement sur mesure, de façon à être capable d'absorber ces fameux déplacements. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire dans le petit quart d'heure à peu près qui reste, je vais vous montrer des photos de la construction pour vous montrer que là aussi, l'entreprise a fait preuve d'énormément d'imagination pour arriver à faire un ouvrage qui puisse être construit très rapidement et dans des conditions qui étaient les fameux 65 mètres d'eau. Alors tout naturellement, là encore, on part de quelque chose qui existe et puis on essaye de combiner, de reprendre les idées existantes. Donc bien sûr, ça va combiner des idées de construction d'ouvrages offshore puisqu'on est dans de l'eau, 65 mètres d'eau, et c'est un pont, donc ça va être quand même un pont à auban. Okay, donc première chose, c'est de se dire on va construire les fondations à sec. Donc pour construire les fondations à sec, on va faire ce qu'on appelle une forme de radoub. Bon, vous allez dans les ports, vous en voyez, hein, c'est des bassins. Donc ici, c'est quelque chose qui est creusé dans la berge. Ça fait 15 mètres de haut. C'est fermé, l'eau est derrière. Hein. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une gabionade. L'eau est juste derrière, vous le verrez sur une autre photo. Donc 15 mètres de haut. La dimension de cette forme ici, c'est 200 mètres par plus de 100 mètres de large. Donc en soi, c'est déjà un ouvrage de génie civil. C'est le Stade de France. D'accord ? Donc, première étape, creuser cette forme de radoub. Et après, l'idée géniale de l'entreprise, c'est de dire, pour gagner du temps, au lieu de construire les fondations une par une, je vais en faire deux à la fois. Donc je fais une forme de radoub, que vous voyez ici, suffisamment grande, c'est d'où les 200 mètres et quelques de long, pour contenir deux fondations. D'accord ? Donc la fondation 1, la fondation 2. Et vous voyez ici donc ce qui ferme, le bâtard d'eau qui ferme la forme ici, qui est ici, et on construit à l'abri de ce bâtard d'eau. Puis, voilà, donc vous avez une photo, donc vous avez la forme qui est ici, vous avez l'eau qui est là. Là, on est sur le côté Grèce continentale, hein, côté Antirion. Donc vous avez la première fondation et la deuxième fondation qui commencent ici. Voilà, ici, pour vous donner des ordres de grandeur, ça fait 9 mètres d'eau. Au centre, ça fait 13 mètres de haut, ça vous donne un petit peu les ordres de grandeur et toujours les 90 mètres de diamètre. Okay ? Et puis, quand une fondation a atteint un certain niveau, eh bien, telle qu'elle puisse flotter, parce que l'idée, c'est ça. Donc, quand elle a atteint un niveau suffisant pour pouvoir flotter, qu'est-ce que l'on fait ? On enlève le bâtard d'eau qui fermait la forme, donc la première fondation se met en flottaison, elle va être tirée en dehors de la forme, elle va évacuer la forme, et grosse astuce, la deuxième fondation qui était là va venir à la place de la première, et c'est elle qui va fermer
la forme de radeau. Alors pourquoi ça? Parce que ça va beaucoup plus vite que de rebattre des pales-planches, remettre une gabionnade. Ça permettait de gagner énormément de temps sur le temps de construction. Donc voilà, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez donc la deuxième fondation qui va venir en position devant et la première qui sort tractée par des remorqueurs en flottaison. Voilà. Et vous voyez cette fois la deuxième fondation qui est là, qui effectivement assure la fermeture de la forme de radeau, la troisième fondation derrière qui commence et la première qui est sortie qui est là. Alors, qu'est-ce qu'elle devient, cette fondation? Elle est tractée par des remorqueurs jusqu'à un autre emplacement. Un autre emplacement, voilà, donc ça c'est une photo que j'aime bien. En fait, ce que vous voyez en vert ici, c'est ce qui est sous l'eau, ce sont les 90 mètres de diamètre. Et la fondation, vous la verrez, pendant toute la durée du chantier, elle va se promener avec sa grue au milieu. Donc elle va aller à un autre emplacement où elle va être ancrée en fond de mer, et la construction va continuer ici. Alors bien entendu, au fur et à mesure que la construction va se poursuivre, elle va s'enfoncer petit à petit. Okay. Ça c'est une des étapes où vous voyez, alors là, je ne sais pas quelle profondeur au moment où j'ai pris la photo, mais elle était déjà bien enfoncée dans l'eau. Pendant ce temps-là, il a fallu développer aussi un outil particulier pour mettre en place les inclusions. Les inclusions, elles sont battues à partir de ce que l'on appelle une barge à pied tendu, parce qu'il y a du courant, il y a des vagues, donc il ne faut pas que ça bouge, parce que les inclusions, il faut qu'elles soient positionnées correctement. On en a une toutes les 7 mètres, il ne s'agissait pas qu'on en ait une toutes les 2 mètres et une tous les 15 mètres. D'accord ? Donc il fallait que la barge qui sert à battre, à enfoncer en tapant dessus les inclusions, soit parfaitement stable. Ça, c'est réalisé avec des techniques qui ont été mises au point par les gens des méthodes des entreprises, de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle une barge à pied tendu. Une fois que les inclusions ont été mises en place, bien entendu, on s'est assuré de la position. Et là encore, la technologie est venue à notre secours. Grâce à des mesures laser, on a pu mesurer la position de toutes les inclusions sous les fondations. Et grosso modo, elles étaient à plus ou moins 10 cm de leur position théorique. Ce qui est un petit exploit quand on pense qu'on est à 65 mètres de profondeur. D'accord ? Après, on a mis, ce qui n'est pas sur mon schéma, la couche de gravier a été répandue. Là encore, il fallait quelque chose de parfaitement plat, bien sûr. Il ne s'agissait pas d'avoir des montagnes russes. Ça a été fait avec des outils spéciaux. Ça a été contrôlé, là encore, avec des mesures laser, 6000 points sous chaque fondation. Et à chaque fois, on avait des tolérances de quelques centimètres qui ont été respectées. Donc voilà le battage des inclusions. Donc vous avez la barge qui est ici, c'est approvisionné depuis le continent par une autre barge qui arrive, qui amène les inclusions, c'est repris avec une grue, c'est battu dans le sol ici, à l'emplacement voulu. Une fois que l'emplacement est fini et que la construction a suffisamment avancé, la fondation qui était ancrée sur ces deux pieux tout à l'heure est de nouveau tirée par des remorqueurs pour être amenée à sa position définitive. Ce que vous voyez là, et là, elle va être ballastée, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau dedans pour l'alourdir et l'amener à se reposer en fond de mer. Donc voilà, vous avez la fondation qui va partir vers sa position définitive, tractée par trois remorqueurs ici. Elle va être ballastée, voilà, elle est là, et à partir de là, on va rentrer dans une construction, une technique de construction de pont. La construction va se poursuivre sur le site, directement, ici, avec la grue qui est toujours là, et les pylônes vont être montés, etc. Donc voilà, il y a un stade intermédiaire. Donc vous avez ici, le tablier va être à peu près à cette hauteur-là, donc ici on a 55 mètres à peu près, et vous avez les pylônes qui commencent à être construits ici. Jusqu'à la tête de pylône. La tête de pylône, c'est là où on va ancrer les câbles. Les câbles qui servent à supporter le tablier, ils sont ancrés en tête de pylône sur cette pièce métallique. Alors cette pièce métallique, elle pèse 300 tonnes. C'est pas rien. Et il faut la monter à 110 mètres de hauteur. Là encore, moyen exceptionnel mis en œuvre par l'entreprise, une barge, ici, vous voyez, avec une grue, qui est capable de monter cette pièce de 300 tonnes directement du niveau de la mer à 110 mètres de haut. Ce qui permettait d'éviter des tas d'opérations de soudure. On aurait pu la monter en plusieurs morceaux et la souder sur place, mais qui dit soudure dit temps allongé et dit également des risques supplémentaires. Parce que souder, je peux vous dire, pour être monté là-haut à 110 mètres quand le vent souffle, on s'accroche. C'est vraiment impressionnant. Donc faire du travail de soudure dans ces conditions, c'était prendre des risques supplémentaires. Donc grâce à cet outil, possibilité de monter directement 300 tonnes ici. L'avantage d'utiliser des outils exceptionnels, c'est que ça permettait aussi de préfabriquer le tablier à sec.
Donc vous avez des éléments de tablier qui font 12 mètres de long, c'est la distance entre deux haubans, qui sont préfabriqués sur la terre ferme, y compris avec le revêtement béton, ce qui n'est pas banal, parce que ça augmente le poids, si vous voulez, mais ça évite de refaire du béton en place, donc y compris avec le revêtement béton. Et après, on a une construction classique que vous apprendrez sur ces bancs, qui est la construction d'un poids au banc classique, où on équilibre de part et d'autre en amenant ces éléments de 12 mètres de long, toujours avec la même barge. Donc vous voyez, un élément qui est amené, qui va être connecté à l'élément précédent, et ainsi de suite, la construction va se poursuivre jusqu'à ce résultat final qui est ici. Voilà, et ça a été tout le schéma de construction qui s'est déroulé donc entre 99, si vous voulez, fin 99 et juillet 2004. Alors, juillet 2004, je vous l'ai dit, c'était 6 mois en avance, en fait, sur le planning initialement prévu. La raison, elle était importante pour l'État grec. Si vous vous rappelez, 2004, c'était les Jeux Olympiques d'Athènes. Et donc, le 8 août 2004, ça a d'abord été la fin d'une aventure absolument fabuleuse pour tous les gens. Enfin, tous les gens qui ont participé à cette aventure continueront à vous le dire. C'était un challenge technique hors norme et une aventure humaine. Et ça, c'est important également, une aventure humaine absolument exceptionnelle, par les relations qu'on a pu avoir entre nous, les contacts qui se sont établis. Et ça s'est terminé par une énorme fête qui a été retransmise en direct sur CNN, un feu d'artifice fantastique. Depuis, je ne peux plus assister à d'autres feux d'artifice. Et avec la traversée de la flamme olympique. Alors, la grande partie du pont a été traversée par l'équipe de football grec, puisque 2004, c'est l'année où les Grecs avaient gagné le championnat d'Europe de football. Donc, ça, c'était la fin de cette aventure. Mais il ne faut jamais s'arrêter là. Il faut se dire, mais finalement, quelle conclusion? Qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement de tout ça? Et les enseignements qu'on en a tirés et qui ont permis le succès de ce projet, c'est, premièrement, j'insiste, définir clairement ce qu'on attend de notre ouvrage. Ne pas se mettre des spécifications irréalistes. Donc, définir, prendre le temps de bien définir ce qu'on appelle les objectifs de performance. Deuxième facteur extrêmement important, et pour ça, il faut rendre grâce à quelqu'un que je citerai en fin de présentation tout à l'heure, c'est le temps qui a été alloué à la conception. Vous vous rappelez que le contrat a été signé en 97 et que la construction a commencé en 99. Ça a été une décision d'un homme, que je citerai tout à l'heure, qui a dit « on est dans une situation difficile, exceptionnelle, il n'est pas question que l'équipe de conception travaille sous la pression du chantier et reçoive tous les jours un coup de téléphone du chef de chantier qui dit « et le plan de l'ouvrage suivant, où est-ce qu'il est ?» Vous avez 2 ans, vous réfléchissez et vous faites votre travail. Pendant ces 2 ans-là, on vous fiche la paix. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, dernier point, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'innovation et tout ça, ça ne peut pas se faire individuellement et ça résulte d'une collaboration. Et là, dans ce cas présent, on a eu une collaboration extrêmement étroite et surtout une confiance réciproque entre tous les participants au projet. Alors, quand je dis tous les participants, c'est l'entreprise concessionnaire, le maître d'ouvrage, c'est l'entreprise constructeur, d'accord, même si c'était les mêmes, hein, c'est le même Vinci qui était derrière les deux, c'est 2 entités différentes, mais c'était toujours la société Vinci, l'équipe d'études, qui était constituée du bureau d'études de Vinci Construction Grand Projet, de Ingerop et de Géodynamique et Structure. Et puis, également du contrôleur technique. Le contrôleur technique a été associé à toutes les étapes. On ne lui a jamais rien caché, fait part de nos doutes, nos difficultés. Et donc, on avait des réunions tous les mois. Alors, ça nous permettait de faire le tour du monde, puisqu'ils étaient en Californie, ils étaient au Canada, etc. Donc, on a fait beaucoup de réunions, on a fait un peu le tour du monde. Mais c'était extrêmement important de les associer, parce que je pense que quand vous faites des choses nouvelles, la meilleure façon de faire passer le message, c'est qu'il soit repris par la personne, votre interlocuteur. Il faut que votre interlocuteur soit convaincu de ce que vous lui dites et il faut qu'il s'approprie vraiment le sujet. Et donc ça, c'est ce qui s'est produit et ça a été une des clés du succès. Voilà, mais vous me direz, tout ça, c'est théorique. Et je suis d'accord avec vous. C'est théorique et qu'est-ce qui se passe s'il y avait un séisme? Alors, il y a eu des séismes, comme je vous l'ai dit, c'est une des zones les plus sismiques en Europe. Donc, il y a eu des séismes pendant la construction. Je me souviens très bien, un jour, j'étais au téléphone avec un des responsables du chantier. Il m'a dit, écoute, je te rappelle, il y a un séisme, il était sur le pont. Donc, il me dit, je te rappelle dans une heure. Bon, mais il y en a eu un aussi une fois l'ouvrage fini.
Et ce séisme, il a eu lieu en juin 2008, c'est-à-dire 4 ans après l'achèvement. C'est un séisme quand même relativement important, puisqu'il s'est produit ici, à une vingtaine de kilomètres de Patras, qui est ici. C'est un séisme de magnitude 6,1, si je me souviens, 6,5, qui s'est produit donc à 36 kilomètres de l'ouvrage. Alors bien entendu, un ouvrage, vous imaginez bien qu'un ouvrage de ce type, il est instrumenté de tous les côtés. On a des capteurs absolument partout, à tel point qu'on n'a jamais pu dépouiller tous les résultats, tellement il y avait d'informations. Mais on avait ces informations, et alors là, on a eu de la chance, il faut de la chance des fois dans la vie. Dans le processus de surveillance de l'ouvrage, il y avait en particulier un nivellement des fondations qui était fait périodiquement tous les 3 mois ou 6 mois. Alors maintenant, c'est beaucoup plus espacé. Et il se trouve que 8 jours avant le séisme, ça c'était le processus normal, il y a eu un nivellement des fondations. On n'avait pas commandé le séisme, il est arrivé, immédiatement après le séisme, on a refait un nivellement des fondations, ce qui nous a permis vraiment de savoir quelles étaient les conséquences du séisme sur les fondations. Et le résultat, vous l'avez ici, le tassement complet de l'ouvrage depuis la construction, vous voyez que par pile, c'est de l'ordre de 20 à 25 cm. Le tassement lié au séisme, c'est de 10% du total, 2 cm. Mais c'est peu. Mais surtout, ce qui était satisfaisant, c'était à peu près les prédictions qu'on avait. Donc, on s'est conforté en se disant, très bien. En fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas le séisme pour lequel on avait dimensionné l'ouvrage, il était quand même moins important, mais si on applique les mêmes méthodes, les mêmes outils à ce séisme-là, on prédit à peu près le même ordre de grandeur. Alors, je ne vous dis pas qu'on a prédit 2,1 cm, il ne faut pas exagérer, mais on n'a pas prédit 3 mètres, on a prédit quelque chose de quelques centimètres. Okay ? Et beaucoup plus intéressant, et là je vais terminer là-dessus, il y a des caméras de surveillance sur cet ouvrage. Non pas pour le séisme, mais il y a des caméras de surveillance. Donc, on a enregistré ce séisme. Et ce que je vais vous montrer, là, vous avez 3 films. Alors, je vous le passerai 2 fois, parce que les 2 films de droite, c'est ce que j'appellerais pour les journalistes. Mais c'est intéressant, parce que vous allez voir le comportement des véhicules en cas de séisme. Et puis, le film de gauche, qui est beaucoup plus technique, va vous montrer le fonctionnement de ce fameux bouton qui est ici. Vous allez voir qu'en début de séisme, effectivement, il va bloquer le système. Et puis, à un moment, vous allez voir... Alors, il ne va pas casser, vous n'allez pas le voir tomber. Hein. C'est une pièce métallique à l'intérieur du bouton qui va flamber, comme on dit, qui va se rompre. Et donc, le bouton, à ce moment-là, va libérer le tablier. Vous allez voir les amortisseurs se mettre en fonctionnement. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que ce niveau auquel s'est rompu le bouton était celui qui avait été prédit. Donc, encore, on était conforme à nos prédictions. Alors, bien entendu, après, il a fallu remplacer ces boutons. Le coût n'est pas négligeable, mais il est bien moindre que de réparer l'ouvrage. L'ouvrage n'a subi quasiment aucun dommage. Alors, je vous montre le film. Donc, vous allez voir sur le film de gauche, si vous regardez bien, vous verrez ici, vous allez voir 2 voitures qui vont pratiquement se rentrer l'une dans l'autre. Et sur la diapo du haut, en fin de film, vous verrez que certains ont même paniqué au point de faire marche arrière et de ressortir en marche arrière du pont. Alors... Donc, voyez, vous commencez à voir le tablier qui bouge. On a quand même enregistré 0,4G sur le tablier au niveau du sol. Au niveau du sol, on a enregistré 0,12G. Donc, voyez, ici, déjà, regardez ces deux-là. Vous voyez que le premier est pris de panique, freine, et le deuxième a failli rentrer dedans. Et regardez celui du haut, ici, qui repart en marche arrière, pris de panique, et il préfère sortir le plus vite possible de l'ouvrage. D'accord ? Donc tout ça, c'est quand même intéressant, parce que ça vous donne, on est quand même dans une situation totalement imprévue, et ça vous donne la façon dont réagissent les gens, le comportement des gens. Alors maintenant, je vous repasse le film. Voilà. Donc regardez maintenant ici. Donc vous voyez que le tablier commence à bouger sérieusement, là, cette fois. Vous voyez que là, c'est bloqué. Hein, le bouton joue son rôle. Il maintient le tablier en place vis-à-vis des déplacements latéraux, donc il évite qu'il aille cogner sur les pylônes. Et voilà, vous voyez que là, ça y est, manifestement, quelque chose a lâché. Vous voyez que les amortisseurs se mettent en fonctionnement et évitent effectivement que le tablier aille cogner sur les jambes de pylône, tout en limitant les efforts qui sont transmis à ces jambes de pylône. Voilà, et donc, pour terminer, je voudrais quand même rendre hommage à quelqu'un qui était un très grand ami, que je connaissais depuis très longtemps, qui est Jean-Paul Tessandier, qui était en fait le grand Manitou de ce projet. C'était le patron de la société concessionnaire, mais qui s'est beaucoup investi également dans tout le projet, puisque, de mémoire,
À la fin du projet, on s'est rendu compte avec Jean-Paul qu'on était les deux seuls sur le projet depuis le début. On avait commencé en 86. La première fois on est allé ensemble sur le site, c'était en 86. Il est resté en place toute la durée, même un peu au-delà. Et malheureusement, il est disparu en 2019, et c'est bien dommage. Mais vraiment, le succès, on lui doit en très très grande partie, parce qu'il a su créer cette ambiance d'équipe, il a su faire confiance aux gens, il a su gérer un projet totalement exceptionnel. Et j'ai cité une de ses phrases favorites ici, c'est la réalité. Ça paraît simple de conduire un grand projet, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple, vous avez des problèmes de relations humaines, vous avez des problèmes techniques, vous avez des problèmes financiers, parce que bien entendu, quand on rencontre des difficultés, ben, le temps s'écoule. Qui dit que le temps s'écoule, ben, l'entreprise dit attention, on est en train de perdre de l'argent. Donc tout ça fait que c'est quelqu'un extrêmement important, et il me paraît normal de lui rendre hommage, c'est un ancien de l'école également. Le dernier message que je vais vous passer, ben, c'est de vous dire que vous allez rencontrer dans votre vie professionnelle des moments difficiles. Vous allez douter, mais gardez confiance. Vous avez tous les outils, vous allez apprendre des tas de choses qui vont vous permettre d'aller plus loin. Et ne soyez pas rebuté par la difficulté, encore une fois. Effectivement, ça peut vous paraître difficile, mais c'est parce que vous n'osez pas. Dès que vous allez essayer, ben, à ce moment-là, ça vous paraîtra beaucoup moins difficile que vous ne le pensez. Voilà, c'était le dernier message que je voulais vous donner. J'espère que avec une présentation de ce type d'ouvrage, ben ça va vous motiver, que vous allez vous dire que vous avez fait le bon choix en venant ici et que vous allez apprendre des tas de choses qui vont occuper toute votre carrière, et du moins c'est ce que je vous souhaite. Voilà, merci bien. Mesdames et messieurs, monsieur le professeur, si vous permettez, cher Alain, merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord pour cette leçon, pour cette brillante leçon dont vous nous avez transporté, vous nous avez expliqué, fait preuve d'énormément de pédagogie, et puis vous avez souligné en quoi travailler sur un grand projet, c'est avant tout une aventure humaine. Et je crois que ça, c'est important comme leçon que vous nous donnez. Ne pas travailler en silo, être en capacité de s'ouvrir au point de vue d'autres disciplines. Et ça aussi pour innover, en ayant les consciences des limites de ce que l'on a appris, mais aussi des limites des modèles que l'on développe. Et je pense que ça, vous le retrouverez, chers étudiants, tout au long de votre cursus. Deuxième élément, c'est que vous avez, Arthur a rappelé votre très brillante carrière. En fait, c'est trois carrières en une. Et vous vous inscrivez vraiment dans la tradition de l'ingénieur des ponts, la figure de l'école, à travers ces trois carrières en une. On a évoqué votre carrière scientifique. Nous prétendons asseoir l'enseignement et les compétences de nos ingénieurs avant tout sur une maîtrise scientifique, en mathématiques, en mécanique. Et je crois que vous avez illustré l'importance de cette solidité scientifique à travers votre carrière et la capacité à sortir aussi de la technologie pour innover. Et je pense que cette capacité d'innovation, c'est pas simple de développer un enseignement qui permette de rendre les élèves plus innovants. Ça ne se décrète pas nécessairement, même s'il y a des solutions. On a un département de design thinking. Mais néanmoins, je pense que voilà, vous nous illustrez en quoi cette innovation elle est essentielle pour faire progresser les capacités de l'ingénieur à apporter ces solutions que vous évoquiez. La troisième carrière en une, et pour certains d'entre nous, c'est aussi une seule carrière, hein, on n'est pas en capacité de faire les trois ensemble, c'est cette responsabilité d'entrepreneur que vous avez prise. Créer une entreprise, c'est relativement facile. Qu'elle se développe dans les années qui suivent, c'est un sacré challenge. Et être entrepreneur, sans soi, c'est un métier. Donc, on imagine bien l'implication et la capacité qui sont les vôtres. Mais au-delà de ça, et de la personne, et de l'ingénieur, et du scientifique, je voudrais vraiment vous remercier au nom de l'école
pour l'enseignant que vous êtes, l'enseignement que vous avez apporté à l'école, le temps que vous avez pris pour transmettre. Et en cela aussi, vous êtes dans la droite ligne de l'école, de ce qu'est son ADN, puisque depuis sa création en 1747, elle s'est construite par la capacité des anciens, des plus expérimentés, à transmettre aux plus jeunes. Et ces 47 ans qu'on a rappelés d'enseignement, je crois que les élèves, vos collègues, en soulignent régulièrement l'importance pour l'école. C'est ce que nous sommes finalement. Alors, au-delà de vous remercier aujourd'hui, puisque tous vos collègues, peut-être certains de vos élèves, n'ont pas pu être là, nous souhaitons, l'école souhaite, et j'aurai, j'espère, le plaisir et l'honneur de vous revoir à l'occasion d'une cérémonie qui permettra que je vous remette la médaille de l'école. Et je finirai en disant que, on ne va pas vous laisser partir comme ça. Bernard, qui n'a pas pu être là, et Arthur l'a dit tout à l'heure, a insisté, on souhaite vraiment que vous puissiez continuer à contribuer à orienter nos enseignements à travers GCC. Et puis vous le savez, l'école a un projet d'un film sur les grands du génie civil, à la fois pour valoriser ces personnages, ce qu'ils ont apporté au génie civil, à la construction, et valoriser l'ensemble de l'école à travers ça, mais aussi à vocation pédagogique. Et donc, Aphrodite aura sans doute l'occasion de vous solliciter, parce que je pense que vous avez toute votre place dans ce prochain film. Merci encore. Voilà, merci. Je me joins à tous les remerciements qui ont été exprimés. Et puis, cette séance n'est pas encore terminée, car nous allons maintenant avoir un débat avec les élèves de la nouvelle promotion. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour cette présentation et vous souhaiter la bienvenue ici. Et je voulais vous demander un petit peu, puisque c'est un projet qui, j'ai l'impression, mélange beaucoup innovation, ingénierie et donc recherche. Et donc, quelle est la part de recherche fondamentale et académique dans un projet comme celui-ci, qui demande une réelle innovation dans l'ingénierie du pont, en fait? Alors, là, il faut être prudent. Quand on parle recherche ou recherche fondamentale, puisque vous avez employé le mot, et ingénierie, c'est deux échelles de temps un peu différentes. Quand vous êtes sur un projet, vous avez vu, les dates, c'était quand même très contraint, puisqu'il fallait finir en 5-6 ans. C'est pas forcément la même échelle de temps que la recherche fondamentale. Maintenant, l'avantage, c'est que, encore une fois, c'est de tirer la quintessence de la recherche fondamentale qui a pu être faite à l'amont et de l'adapter. C'est ce que j'appellerais de la recherche appliquée. Mais alors, tous les projets ne nécessitent pas autant d'innovation que celui-ci, bien sûr, mais l'utilité de la recherche fondamentale à l'amont est d'être au fait de ce qu'il fait, d'avoir des contacts avec vos collègues, j'ai cité Luc Dormieux, Jean Salençon, Patrick Debuant, c'est fondamental parce que ça vous permet justement de rentrer dans cette échelle de temps de projet et de pouvoir avancer et de mettre en œuvre des choses nouvelles. Donc c'est pareil, dans les réglementations, si vous voulez, vous ne trouverez jamais dans une réglementation les dernières avancées de la recherche. C'est pas vrai. Il faut que ce soit des choses qui soient éprouvées déjà, mais bien entendu, ça s'appuie dessus. Bonjour et merci pour cette leçon. Moi, j'avais une question qui portait sur le Big One. Comment peut-on laisser des gens vivre dans une zone aussi dangereuse? Alors, je vous dirais que j'étais en Californie en 72. On parlait déjà du Big One. On est en 2021, il ne s'est toujours pas produit. Une chose que l'on sait, c'est effectivement à peu près où vont se produire les séismes. D'accord? Ça, on sait qu'il y en aura un, c'est sûr. On sait également savoir à peu près quel ordre de grandeur, alors je dirais l'intensité, hein, sans mettre un terme scientifique derrière, la force du séisme qui va se développer. Ce que l'on ne sait absolument pas, c'est quand il va se produire. Et la seule réponse que l'on puisse apporter à ça, c'est de dire, eh bien, il faut construire nos ouvrages de façon qu'ils puissent supporter ces événements.
On ne peut pas interdire aux gens d'habiter San Francisco, ce n'est pas pensable. Mais en revanche, on peut, et l'expérience montre à chaque séisme, que les règlements, lorsqu'ils sont correctement appliqués, d'abord les règlements évoluent, et quand ils sont correctement appliqués, permettent justement de protéger et de s'accommoder de ce genre de choses. Mais pour ça, il faut effectivement se donner les moyens de construire en conséquence. Bonjour. Ici. C'était pour savoir, est-ce que vous avez travaillé avec beaucoup de, enfin, dans le cadre de ce projet, avec beaucoup de laboratoires et d'organismes publics, comme par exemple celui qui vous a fourni la centrifugeuse à Nantes? Oui, oui. Alors déjà avec les laboratoires d'ici, puisque j'ai dit, j'ai cité Luc Dormieux, j'ai cité Patrick Debion, ils sont quand même dans l'Institut Navier, donc on a travaillé, on a échangé. J'ai travaillé avec Jean-Saint Lançon, qui à l'époque était au laboratoire de mécanique de l'École Polytechnique. Et puis, on a travaillé donc avec l'Institut Gustave Eiffel, enfin ex-LCPC à Nantes, pour faire les essais en centrifugeuse. Un aspect dont je n'ai pas du tout parlé, ce sont les essais, la tenue au vent, d'abord parce que je n'y connais pas grand-chose, mais il y a eu des essais faits également dans la soufflerie du CSTB à Nantes, pour valider là aussi les concepts vis-à-vis de la tenue au vent. Les gros amortisseurs que je vous ai montrés tout à l'heure, qui ont été faits sur mesure, ont été testés sur la table vibrante de l'université de San Diego en Californie. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas tout seul dans un coin qu'on fait ce genre de choses, il y a un nombre de personnes associées qui permettent d'aboutir à ces réalisations. Et je... Personnellement, quand on est du côté de l'ingénierie, c'est très confortable de pouvoir s'appuyer sur ces gens-là, justement. Bonjour. Est-ce que certaines difficultés lors de ces années d'innovation ont amené vos équipes ou vous-même à hésiter à abandonner le projet ? Non. Je vais être clair, non. On a eu des doutes, on a eu des nuits blanches, certes. Mais on n'a jamais envisagé d'abandonner, d'abord parce qu'il y avait un engagement qui avait été pris par l'entreprise, hein, d'aller, à partir du moment où ils avaient répondu à l'appel d'offres, ils avaient signé le contrat, il n'était plus question de reculer, d'accord ? Et donc, c'est vrai, mais il y a eu des périodes de doute terribles, et c'est là où quelqu'un comme Jean-Paul Tessandier a été absolument extraordinaire. Je me souviens très bien, débarquant dans mon bureau un jour, me disant, écoute, ne panique pas, on était dans une période de difficulté, ne panique pas, on a le temps, il faut trouver une solution, mais on a le temps. Donc non, pour répondre à votre question, on n'a jamais envisagé de tout remettre dans les cartons à un moment donné. Sauf peut-être tout au début, quand on se disait, mais il n'y a peut-être pas de solution. Là, oui, mais à partir du moment où on pensait avoir une solution, non, malgré les difficultés. Merci. Bonjour. Vous avez dit que l'ouvrage, il a été ici. Oui. Il a été conçu pour durer 120 ans. Et du coup, dans 120 ans, ça se passera comment ? Est-ce qu'il est abandonné ? Non, rassurez-vous, ça a été une des plaisanteries auxquelles on a eu affaire quand on avait ces débats parfois un peu tendus avec, désolé Aphrodite, avec les représentants du gouvernement grec qui nous disaient « Oui, mais dans 120 ans, tout va s'effondrer. » Non, on ne conçoit pas, on sait, d'abord, on ne sait pas faire. Et puis non, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est 120 ans, c'est la durée... de vie de l'ouvrage, rien ne dit qu'au bout de 120 ans, il ne va pas rester en fonctionnement, quitte à faire une réhabilitation, à faire des choses, si vous voulez. Mais non, il n'est pas question, je pense, d'un ouvrage de ce type qui soit abandonné dans 120 ans. Merci Alain pour cette conférence vraiment plus que merveilleuse. Je voulais juste, tu as parlé d'interdisciplinarité, je voulais juste que tu nous racontes, il y avait un architecte, il y avait des urbanistes. Comment vous avez travaillé en amont complètement des 2 ans de conception du pont ? C'est-à-dire que l'emplacement, tu l'as expliqué, c'était peut-être l'endroit où c'était le plus court, oui. Mais après ? L'emplacement, d'abord, c'était l'endroit, c'était un nœud stratégique, il y avait des bacs, c'était l'endroit le plus court, c'était là où les profondeurs d'eau étaient quand même les moins importantes, donc techniquement, il s'imposait. L'architecte, c'était Michaelian à l'époque. Honnêtement, moi, j'ai eu très peu de contact avec lui. C'est lui qui a dessiné un peu les pylônes. Mais après, il y a quand même aussi les 4 jambes de pylônes. C'est lui qui les a habillées, si tu veux. Mais en fait, c'est la technique qui a guidé quand même derrière. Il fallait reprendre des efforts colossaux, etc. Donc moi, personnellement, je n'ai pas eu vraiment de contact avec l'architecte sur ce point-là. Mais il y avait un architecte. Ouais. Et l'ensemble de l'équipe, en fait Non, pas vraiment. On avait des réunions, comme j'ai dit, on avait des réunions techniques de l'équipe de conception toutes les semaines, pratiquement. L'architecte n'était jamais là. Hein.
On a eu des réunions avec le contrôleur technique. Non, mais je dirais qu'à la limite, il avait un peu fait son travail au niveau des esquisses à l'amont. Après, les esquisses étant faites, il fallait les adapter d'un point de vue technique. Non, mais c'est intéressant parce que oui. Du coup, ce qu'on voit aujourd'hui, l'esthétique globale, elle est liée essentiellement à la technique, plus qu'à la conception, on va dire, pure de la forme qu'aurait pu donner l'architecte. Oui, tout à fait. Mais enfin, non, si tu prends le pont de Tinkao, par exemple, qui a des portées pareilles, le problème, si on a deux jambes de pylône comme le pont de Normandie et autres, c'est qu'il y a un problème de fléchissement. Et donc, à Tinkao, ça a été résolu avec des câbles, que c'est pas très joli, personnellement, alors que là, je trouve que l'esthétique avec quatre jambes inclinées, alors ça fait peut-être un peu lourd, mais honnêtement, quand on va sur le site, si vous avez la chance d'y aller, si vous prenez l'avion pour y aller, asseyez-vous à l'avant gauche de l'avion. Vous aurez la chance de le survoler. Et l'esthétique n'est pas choquante du tout. Non. Bonjour. Bon, je vous remercie encore pour la présentation que j'ai trouvée vraiment très très bien. Et j'avais une question. Alors, vous avez passé beaucoup de temps sur la conception, etc. Mais durant la construction, donc c'était 99 à 2004, quel était vraiment votre rôle ? Alors, non, la construction a commencé en 99, mais les études n'étaient pas finies. Hein. Les études, okay. Elles se sont poursuivies jusqu'en, 2002, quelque chose comme ça. Donc, le rôle, c'était de continuer à développer le projet, quand même, à dialoguer avec le contrôleur technique, dialoguer avec l'entreprise, etc. Parce que tout ne se déroule jamais comme prévu au départ. Il y a toujours des impondérables et il faut s'adapter. Donc, effectivement, c'était un peu moins intense, mais je continuais à aller sur le chantier régulièrement et à échanger avec les gens, voir s'il y avait des adaptations possibles, etc. Ce qui est important, c'est justement, mais c'est une des grandes forces un petit peu de l'ingénierie française, c'est de ne pas être complètement déconnecté de l'entreprise. Si vous allez chez les anglo-saxons, je me souviens très bien avoir travaillé justement avec Jean-Paul Tessandier sur le pont de la Severne, et c'était assez étonnant parce qu'en face, il y avait une ingénierie anglaise et pratiquement, il n'y avait que moi qui avait le droit de m'adresser à eux. L'entreprise n'avait pas son mot à dire, alors qu'elle en connaissait beaucoup plus que moi sur le sujet. Mais il y a une dissociation totale entre l'ingénierie et la construction. Ce qui est, à mon avis, une chance que l'on a en France, c'est que ça n'existe pas. C'est que ce sont des équipes intégrées et qu'il y a un dialogue permanent entre les deux. Et ce qui fait aussi la richesse du métier, parce que si vous étiez enfermé derrière votre écran dans un bureau... Enfin, personnellement, on se lasse au bout d'un moment. Là, l'avantage, c'est justement de participer à ça, et de, même si vous n'êtes pas moteur sur les méthodes de construction et autres, de voir ce qui se fait, et puis il n'est pas interdit d'avoir des idées de temps en temps aussi. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, professeur. Tout d'abord, merci encore pour cette conférence. Et ma question portait sur le fait que, là, vous nous avez parlé d'un projet de pont, et... Est-ce que vous avez, sûrement j'imagine dans votre carrière, travaillé sur des projets de bâtiments ou d'habitation, etc. Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a une différence majeure avec le travail sur un projet comme celui-ci ? Alors, je vais être très franc, pour être honnête, j'ai pas, même pratiquement pas travaillé sur des bâtiments, sauf des bâtiments un peu exceptionnels qui s'apparentent plus à des ouvrages de génie civil, comme la Tour Odéon, par exemple, à Monaco, ou des ouvrages comme ça. Mais le bâtiment, au sens où je pense vous l'entendez, non, j'ai jamais eu l'occasion de travailler là-dessus. Donc je vais être un petit peu à court de réponse pour vous, mais j'ai pas l'expérience du travail sur le bâtiment. Bonjour. Vous avez parlé lors de la construction qu'il y avait eu un incident par rapport à un séisme. Et je me demandais, est-ce que lors de la construction, il y a eu d'autres imprévus ? Oui. Pense au déplacement des pylônes. Oui, il y en a eu un autre que je n'ai pas mentionné. Vous vous rappelez que quand la fondation sort de la forme de Radoum, on vient l'ancrer en fait sur des puits en fond de mer. C'était pas la solution prévue initialement. En fait, initialement, il était prévu de battre des grands tubes métalliques sur lesquels la fondation, avec des anneaux, venait coulisser, s'enfoncer verticalement, d'accord, pour la maintenir bien en position. Et en fait, il y a eu un incident qui a été lié en fait à une rupture. Heureusement, là, il n'y avait pas de fondation accrochée à ce moment-là, qui a été lié à une rupture d'un de ces tubes du fait de la houle par fatigue. Et donc, ça a amené l'entreprise à pousser un grand ouf de soulagement parce qu'il n'y avait pas de fondation ce jour-là, et à changer la technique et de l'ancrer par des pieux avec des grandes chaînes en fond. Donc ça fait partie des impondérables que je mentionnais tout à l'heure, où il faut aussi avoir des capacités d'adaptation.
à des incidents de ce type. Autrement, il n'y a pas eu vraiment d'incident majeur, et une des grandes réussites de ce chantier aussi, c'est qu'il n'y a eu aucun décès sur le chantier. Ce qui est quand même aussi, quand on voit l'ampleur du projet, c'est quand même pas mal. Étant donné que vous avez travaillé sur le projet en zone sismique, où c'est les événements rares qui sont les plus dangereux par définition, comment est-ce que vous pouvez vous baser sur des modèles qui sont basés sur les événements rares dont on a peu d'informations, et comment est-ce que, dans quelle façon vous pouvez croire des choses ou interpréter des modèles qui sont basés sur peu d'événements, et en quoi ça influe sur l'ingénierie derrière ? Bien, c'est justement ce que j'ai essayé de mentionner, c'est qu'il ne faut jamais vous baser uniquement sur un modèle ou uniquement sur des expérimentations. En fait, c'est le couplage des deux qui vous permet de progresser. Et en particulier, l'avantage de certains modèles, comme, ou même des études numériques, c'est qu'on peut pousser les modèles au-delà de la réponse de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on peut majorer, si vous voulez, les efforts de façon à emmener le système jusqu'à la rupture pour voir comment il va se comporter. En centrifugeuse, ça peut se faire. Sur les calculs numériques, ça peut se faire également. Et donc, on essaye effectivement de voir au-delà quel est le comportement ultime de l'ouvrage. On ne s'arrête pas en disant les efforts pour lesquels je dois dimensionner l'ouvrage, c'est 700 méganewtons par exemple. On va plus loin pour voir qu'est-ce qui va se passer, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le séisme, il ne faut pas oublier qu'il a quand même une probabilité de 5% d'être dépassé pendant la durée de vie de l'ouvrage. Donc on ne veut pas que, si ça se produit, il y ait une rupture complète du système. Et c'est tout l'intérêt du dimensionnement en capacité, c'est justement de prévoir que ça peut se produire, et qu'à ce moment-là, on conçoit l'ouvrage de façon qu'il soit un peu plus endommagé, bien entendu, ça je ne vais pas vous le cacher, mais qu'il n'y ait pas d'effondrement majeur du système. Bonjour. Oui. J'aimerais savoir, vu la taille et l'ampleur du projet, et vu que ça s'est quand même écoulé sur sur un certain temps, pour savoir combien de personnes, pour avoir un ordre de grandeur, ont travaillé sur le projet, combien d'entreprises, et comment se sont passés en fait un peu les liens, parce que je suppose qu'il y a eu beaucoup de liens avec des entreprises locales grecques. Savoir comment se sont passés les liens, disons, humains au cours du projet. Alors, je vais essayer de répondre. Je suis pas, malheureusement, c'est Jean-Paul qui aurait pu répondre le mieux. Au niveau du projet, donc effectivement, c'était un groupement. Alors, il y avait deux entités. La société concessionnaire, qui était pilotée par Vinci, avec des entrepreneurs grecs. Alors, je ne les connais plus tous. Il y avait Actor, il y avait sept entrepreneurs grecs. Mais le pilote principal, qui était majoritaire dans le cas présent, c'était Vinci. Et puis, il y avait une société de construction qui regroupait en fait les mêmes entités. C'était deux entités juridiques, mais en fait, derrière, c'était les mêmes actionnaires, si vous voulez. Et donc là aussi, Vinci était pilote. Après, il y avait l'équipe de conception, je dirais. Là, je vous ai cité, il y avait trois bureaux d'études. Il y avait un GEROP, le bureau d'études de Vinci. J'en ai oublié un. Nous-mêmes, géodynamique et structure. Et pour les viaducs d'accès, il y avait un bureau d'études grec. D'accord. Alors après, combien de personnes ça représentait? L'équipe de conception, qui est celle que je maîtrise le mieux, c'était une vingtaine de personnes. D'accord. Après, sur le chantier lui-même, il y avait bien entendu de la main-d'œuvre locale. Hein. C'est clair que l'essentiel des gens sur le chantier étaient des locaux. L'encadrement était fait par des expatriés, des Français, mais la majorité, c'était des locaux. Alors, combien de personnes il y avait, je ne serais pas capable de vous dire, peut-être 2000, mais je ne voudrais pas m'avancer trop. Hein. Bonjour, bonjour monsieur, merci pour la conférence, c'était vraiment intéressant. J'ai un peu perdu ma voix, donc dites-moi si vous ne comprenez pas ma question. C'est moi qui aurais dû la perdre. je me suis dit, donc, vous avez dit que c'était... Ce pont était unique dans sa conception. Vous êtes le premier à avoir créé les fondations pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Est-ce que ce design a été repris plus tard par une autre entreprise ou un autre projet ? Très bonne question, et c'est aussi une des grandes satisfactions en finale, c'est que le pont d'Izmit en Turquie a copié exactement ce système de fondation. Exactement le même, c'est le pont de Izmit qui est postérieur. Il y a eu des ouvrages nucléaires en France, au Bugey en particulier, qui a copié également ce type de fondation. Alors, ce n'était pas des tubes métalliques, c'était des pieux en béton armé, enfin des inclusions en béton armé, mais le principe, oui, a été repris, et ça fait partie aussi des grandes satisfactions. Et ça éviterait maintenant qu'effectivement, quelqu'un comme Ralph Speck demande, est-ce que ça a déjà été fait ailleurs ?
Oui. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Je me demandais pour des projets de cette taille, est-ce que pour votre entreprise, c'était un projet unique ou en même temps vous faisiez d'autres choses ou pas du tout ? Oui, alors d'abord on faisait autre chose parce qu'il ne faut jamais ne faire qu'une chose, c'est toujours très dangereux. Mais effectivement, c'est un projet unique puisque, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça représentait pendant 3 ans plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc ça vous donne l'importance du projet pour l'entreprise. Alors, il ne faut pas que ce soit votre préoccupation unique, parce qu'un jour ou l'autre, ça s'arrête. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas prévu la suite, vous vous retrouvez du jour au lendemain sans rien. Donc c'est un peu la difficulté quand on a une entreprise à l'échelle... Alors, je ne parle pas d'un Gérop qui était beaucoup plus gros que nous, mais je dis Dynamique et Structure, c'est une vingtaine de personnes. C'est sûr que quand vous avez un projet qui occupe 50% de votre chiffre d'affaires, voire plus, il faut prévoir la suite derrière. Et c'est la difficulté de ne pas se laisser non plus complètement prendre par quelque chose. Il faut toujours avoir autre chose derrière. Bonjour. C'était pour savoir comment on a fait le choix de faire tel nombre de pylônes et telle portée entre chaque pylône. C'est un choix technique et économique. Il y a eu, si vous voulez, au moment du premier, j'en ai pas parlé, du premier appel d'offres de 86 qui avait donné lieu à cette solution. En fait, il y avait des solutions en pont suspendu, donc 2 km et quelques de portée, donc c'est un record du monde. Et je l'ai pas dit, je voulais le mentionner, mais on ne fait jamais des grands sauts dans le génie civil. On n'aime pas ça. On n'est pas passé d'un pont à haubans de 400 mètres ou 450 mètres à un pont comme le pont sur l'île de Ruski qui fait 1,1 km de portée en pont à haubans. C'est toujours par petites étapes. Donc ça, c'était un gros projet, donc avec un pont suspendu. Il y a eu des solutions d'étudier avec 3 appuis au lieu de 4. Il y a même eu des solutions en tunnel, si vous voulez, immergées ou non. Et en fait, en finale, ça a été un petit peu, c'est toujours pareil, c'est un peu un compromis entre la technique et puis le coût, l'exécution. 3 pylônes, c'était sûrement plus économique, ça faisait moins de béton, etc. Mais c'était prendre plus de risques. 4, c'était faisable. Ça permettait de faire ça dans des délais raisonnables. Donc c'est un petit peu un compromis de tout ça qui nous amène à cette solution. Mais il y a eu d'autres solutions étudiées, enfin pas par nous, si vous voulez, le pont à Auban n'a pas été étudié par Vinci, mais il y a eu des sociétés qui ont étudié des solutions pont à Auban. Ceci étant, pour la petite histoire, je vous dis que ça prenait des risques. On s'est aperçu après coup, je ne vais pas parler de ça non plus, mais il y avait des gros problèmes de liquéfaction des terrains sur une des berges, côté Grèce continentale. Or, un pont à Auban, ça tient essentiellement avec le massif d'ancrage. Le massif d'ancrage, il est à terre. Il aurait été dans ces zones-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Donc, ça, c'est après coup. Hein. C'est pas ce qui a guidé le choix, mais après coup, on s'est félicité qu'effectivement, de ne pas être trop orienté vers un pont à Auban. Bonjour. Moi, j'avais plus une question de type personnel. Un projet comme ça, c'est un projet, donc, comme vous l'avez dit, qui dure à peu près 10 ans, notamment 4 ans de construction, 2 ans de conception. Et dans quelle mesure, vous, en tant que chef d'études sur un projet qui représentait 50% de votre chiffre d'affaires, vous avez dû habiter en Grèce, donc est-ce que vous vous déplacez, est-ce que vous changez d'habitat en fonction du lieu dans lequel vous travaillez ? Alors, je n'ai jamais habité au sens où vous l'entendez en Grèce. J'ai fait des séjours réguliers, des séjours qui pouvaient durer une semaine, 15 jours, mais je n'ai jamais été résident, si vous voulez, pendant 6 mois ou un an. Ce sont les gens de la société de construction, oui. Mais moi, je faisais un petit peu l'aller-retour. Bon, alors c'est faisable parce qu'effectivement, la Grèce, c'est à 3 heures de vol. Hein. C'est quand même pas dramatique. J'ai passé beaucoup de temps dans les avions. J'ai enrichi pas mal les compagnies aériennes, c'est sûr. Mais je n'ai jamais vraiment résidé en Grèce plus que des durées de l'ordre de 3 semaines, à peu près. Ce que je regrette parce que c'est un pays bien agréable. Vous aviez dû faire face à un séisme au cours de la construction. Et du coup, je voulais savoir... Est-ce que vous aviez pris des dispositions particulières, justement, dans le cas où ça arriverait, comme des constructions éphémères pour protéger, en fait, le pont en cours de... Oui. Alors, il est bien évident que, contrairement à ce qu'on pense, une des phases les plus critiques dans ce type d'ouvrage, c'est la phase de construction. Quand il est fini, que tout est bien équilibré, que vous avez les haubans, les pylônes et tout, c'est une phase moins critique. Quand vous avez simplement les pylônes, comme je l'ai montré sur une diapo, vous avez l'amorce des pylônes, mais ils ne sont même pas liaisonnés entre eux. C'est pour ça qu'il y avait ces gros boutons que vous avez peut-être vus. Donc, effectivement, il y a des conditions qui sont prises en compte. Alors,
pas avec le même niveau de séisme, bien entendu, parce que le séisme, c'est une probabilité de se produire pendant une certaine durée. La durée de la construction, même si on la fixe à 6 ans ou 10 ans, la probabilité d'avoir un séisme, il y aura des séismes, la preuve, il y en a eu, mais ils seront de beaucoup moins importants, beaucoup moins forts. Donc ça a été pris en compte. Il n'y avait pas eu de précaution particulière de prise, en ce sens que ça avait été vérifié, que ça tiendrait à ce type de séisme, mais c'est tout. Mais c'est bien pris en compte, la phase de construction est bien prise en compte, et encore une fois, c'est peut-être une des phases les plus critiques. Bonjour professeur, je suis là. Ah, d'accord. Bonjour professeur, et merci beaucoup. Vous avez dit tout à l'heure ne pas avoir beaucoup travaillé avec l'architecte, et j'aimerais comprendre quelle est la part donnée à l'esthétique dans un tel projet par rapport à la technique. Et est-ce que c'est vous qui essayez de répondre à leurs contraintes ou c'est plutôt eux qui vont s'adapter à vous ? Je ne sais pas répondre précisément, mais ce serait une très mauvaise solution. Il ne faut jamais vouloir imposer son point de vue. C'est encore une fois, il faut qu'il y ait un dialogue continu entre toutes les parties. Et chacun doit s'adapter, prendre en compte les contraintes de l'un ou de l'autre. L'architecte a sûrement des contraintes. Les techniciens ont également leurs contraintes et il faut converger vers une solution qui soit acceptable pour tout le monde. Mais ce n'est pas quelqu'un qui arrive qui vous dit exécutez ça, non, ça ne marche pas. Tout à l'heure, on m'a posé la question sur le bâtiment, mais c'est bien connu en zone sismique, si vous voulez, quand on fait une conception parasismique d'un bâtiment, il ne faut surtout pas partir des plans de l'architecte. Non pas que j'ai quelque chose contre les architectes, au contraire, ils sont importants, ce sont des gens importants, mais il faut que dans leur conception à eux, ils aient intégré le fait que nous aussi on va avoir des spécificités. Ils peuvent très bien s'adapter, ils savent le faire. Mais il n'y a rien de plus mauvais que chacun travaille de son côté. Bonjour, merci pour votre présentation qui était très intéressante, qui nous a mis dans la peau d'un vrai ingénieur. J'ai une question qui ressemble un peu à celle qui vient d'être posée. Quand l'esthétique du pont est établie, qui s'occupe exactement d'évaluer si c'est réalisable ? Est-ce que c'est l'ingénieur ou... Ah ben oui, c'est l'ingénieur qui... Enfin, encore une fois, c'est un processus continu. Il n'y a pas une date, à un moment où on dit, toc, voilà, c'est ça, il faut réaliser. Non, on arrive à une date, on a un objet à réaliser, et c'est là, eh bien, on commence à faire les études, à regarder, éventuellement adapter. Donc s'il fallait faire des grosses adaptations, ben, il est clair qu'à ce moment-là, on serait retourné vers l'architecte également pour lui dire, voilà, ça ne marche pas, il faudrait faire ça, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas une date auquel on dit, voilà, ça qu'il faut réaliser, et puis non. Il y a une date, on se dit, oui, on commence, et à ce moment-là, c'est le travail de l'ingénieur de voir qu'est-ce qu'il peut faire. D'accord. Et s'il ne peut pas faire, ben, il se retourne et on recommence. Merci beaucoup. Bonjour. Ici. En face, au même endroit. Ah d'accord. merci encore pour votre leçon. Et moi j'avais juste une question sur le système de butons que vous avez présenté au milieu. Vous disiez donc que c'était pour réduire les contraintes en cas de séisme. Et du coup c'est un système à usage unique ou, Ah oui, c'est ce que c'est je vous ai dit. Ouais. Après le séisme de 2008, il a fallu les remplacer. D'accord, voilà. Ouais. Non, ben c'est l'objet. C'est-à-dire, encore une fois, c'est un petit peu comme le maillon ductile. C'est-à-dire que c'est là où on admet de l'endommagement pour protéger la structure, mais on sait qu'effectivement il y aura de l'endommagement. Dans le cas présent, l'endommagement c'était la rupture de cette pièce à l'intérieur, donc il a fallu les changer. D'accord, ok. Ok, merci. Bon, je vois qu'il y avait encore beaucoup de questions, mais je pense qu'on va quand même maintenant s'arrêter. J'aurais éventuellement moi, une question à vous poser. C'est si le projet était à démarrer maintenant, est-ce que les progrès qui ont eu lieu dans la modélisation, dans la conception de ces grands ouvrages, est-ce que ça aurait pu conduire à d'autres solutions ? Alors, je ne peux pas répondre. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait une solution unique à un problème donné. Il y a toujours plusieurs solutions, donc peut-être qu'il y aurait d'autres solutions envisagées actuellement. Ma seule crainte, c'est que s'il y avait un projet comme ça à refaire, je ne suis pas certain qu'avec l'évolution de la société et autres, il y ait beaucoup d'entreprises qui soient prêtes à prendre ce risque. Parce que c'était quand même un risque énorme. Quand on réfléchit rétrospectivement, et bon... L'évolution fait que, effectivement, c'est le point de blocage que je verrai. Maintenant, d'un point de vue technologique, il y aurait sûrement d'autres solutions trouvées. Je ne peux pas dire lesquelles, mais encore une fois, il n'y a pas une solution unique à un problème donné, à mon avis.
Merci.